Bonjour à tous, Salut! bonjour à tous, bienvenue sur le live. On va commencer le petit live d'ici 5 petites minutes. Attends, c'est peut-être un petit peu trop. Tu penses? Ouais. Non, je pense que c'est bien comme ça. Attends, on va décaler la petite patte. Une petite seconde, on déplace un T'es en peu. train de tout casser. Alors, je casse pas tout. Parce que t'es approché. Non, rapproche-toi. Ouais, mais en voiture, on va pas me voir là. La barrière devant toi. Ouais, du coup, faut que je me rapproche vachement. On te voit, bonjour à tous, salut Rudy! Salut Noah, grosse journée aujourd'hui, plus 4% un seul trade avec une 6 de ratio sur l'explosion du range. Enfin le DAX est bon. Eh bien, écoute, bravo Noah. Bravo, bravo. Si c'est encore un autre trade de ratio 12 que tu avais fait ou 11 la dernière fois. Franchement propre, mais franchement très très propre. Et nous on a, bah, si t'as suivi un petit peu sur le Discord, on a pas mal travaillé aussi hein, sur le DAX aujourd'hui. Ça faisait plaisir. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Salut Chello, salut Steph, salut Kevin et salut Pierrick, bienvenue à vous. On va commencer dans 5 minutes, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. On est sur un live questions-réponses avec une analyse technique juste après. Que dire du DAX aujourd'hui hein? Clairement un beau marché. Clairement, clairement un beau marché. Donc on va essayer d'aller sur le DAX. Peut-être le DAX à. Ouais, il est un peu nul le graphique par contre. Hein. Il est un peu nu, je vous avoue, j'avais enlevé tous les indicateurs pour. On soit tranquille sur l'analyse technique. On va mettre ça en 20, on va mettre ça en simple. Hop là, parfait. Donc effectivement, très beau marché aujourd'hui. Vous l'avez vu, le marché du coup a ouvert exactement ici. On a eu un total de au plus bas, du plus haut au plus bas, 238 pips de baisse. C'est quand même plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas eu de mouvement important. Ça faisait depuis jeudi du 20 septembre. Sans compter forcément hier, parce que. Ouais, bon, allez. En comptant hier en plus, quand même, parce que c'est quand même eu du mouvement quand même. Ça faisait 5 jours. Ça faisait 6 jours exactement. Ça faisait 6 jours, donc ça fait jeudi. Bah, ça fait une semaine et un jour exactement en termes de cotation continue. Ça fait une semaine et un jour qu'on n'a pas eu de mouvement clé sur le DAX et franchement ça fait du bien, hein, ça fait plaisir. Convergent baissier pour le pivot, vous le voyez, hein, pivot baissier, pivot journalier baissier juste là. Pivot baissier, personnellement j'ai bien attendu qu'on casse le pivot à la baisse, j'ai shorté. Pour ceux qui ont vu ma publication sur Facebook, j'ai shorté exactement. Alors c'était en 15 minutes que j'ai shorté. J'ai shorté en 15 minutes. J'ai shorté en 15 minutes, donc vous voyez, c'était mon analyse d'aujourd'hui. Hein. On a bien rebondi sur la zone basse juste là, on a bien rebondi ici aussi, on a rebondi sur mon support aimant, bref, on a bien rebondi sur toutes mes zones. J'ai shorté exactement là, en sortie quasiment de zone morte. J'ai eu une extension de zone morte exceptionnellement aujourd'hui. Et j'ai vraiment shorté en sortie en fait. Bon, c'est pas exactement mon point d'entrée bien sûr. J'ai pas juste shorté parce que ça sortait de la zone morte. Mais effectivement, j'ai shorté au bon moment. Ça a bien pris. J'avais déjà shorté un petit peu avant sur une ICT au-dessus. J'avais déjà fait mon gain, j'ai re-shorté ici. Et puis, qu'est-ce que. Bah, c'est tout. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Il y a que ça que j'ai fait. Donc, c'était quand même plutôt pas mal. Voilà, c'était plutôt pas mal. C'était un très très beau trade. Toi, Alexis, t'as pas mal tradé aussi. Ouais. En scalping, Alexis va plus travailler le scalping, notamment sur le Shimoku. Plus combien déjà, t'as dit? 36. 36, plus 36 pips. En scalping, c'est énorme quand même. Hein. Ah, parce que comme c'est des coups de 3 pipes. Ouais, j'ai mon plus gros, j'ai fait plus 6 et mon plus petit c'était plus 3,5, je crois. Ok. Donc en ouais, une moyenne de 3 quoi. Ouais, c'est ça. 3 pipes, 3 pipes en moyenne, ouais, sur 36, c'est énorme. Ouais. C'est plutôt énorme, ça fait 10 positions gagnantes. C'est ça, 10 positions Même gagnantes, plus. 2 flats et une Même plus perdante. du. Ah ouais? Ouais. D'accord, ah oui, parce que t'as eu des plus. Ouais, ok. Mais du coup en moyenne ça ferait 12 positions gagnantes d'affilée. C'est ça. En moyenne, j'ai dit. C'est propre. C'est très très propre. Donc c'est cool. Donc ça a été une bonne journée pour nous. Et même hier, il me semble qu'on Bah a. hier j'ai fait 30 points aussi. Parfait. Je sais plus ce que j'avais fait hier. Mais il me semble que j'ai pas mal. J'avais bien géré ma journée hier aussi. On était jeudi. Oh, je sais même plus. Je sais plus Je mec, sais je sais que j'avais plus. fait des bonnes choses hier. Ce serait sur le Discord, mais je sais que j'avais fait aussi des bonnes choses. J'ai dû peut-être le partager sur la page. Je vais aller voir ça. Et franchement, c'était plutôt cool. Franchement, on a un beau marché. Salut Mika, bienvenue à toi. Salut Denis. Bienvenue à vous et bienvenue sur le live. Est-ce que j'ai partagé ça? Tiens, on va aller voir ça sur Facebook. Hop, hop, hop. Oui.
Effectivement, bah oui, je me rappelle de pas grand-chose en vrai. Très faible en gestion risque, mais belle opportunité. Bah oui, putain, comment je peux pas me rappeler de ça? Ah oui, la cassure. Bah oui, j'avais acheté la cassure avec combien? Genre 6 kits de Tu stop-loss ou devais quelque chose plus comme ça. arrêter d'anticiper, toi? C'était pas une. C'était un scalp, en fait, Ouais. rappelle-toi, c'était un scalp Oui. de 3-4 pipes. Et il est parti J'ai mis à oui. BE et ça a explosé, et du coup, c'était du latent. C'était du latent, donc il y a eu 6 ou 5 Je crois que t'es positions le contre seul mec une. à scalper et à mettre du latin. Bah, la preuve, hein. Ouais, mais là, Ça t'as eu m'a de la porté. chance. Bah, franchement, cassure, de toute façon, c'était soit ça. Dans tous les cas, j'avais gagné mon scalp. Soit effectivement, le marché cassait le niveau et ça explosait comme ça Ouais. s'est passé, ou soit bah, ça rebondissait et puis je prends mon BE. Rien de te dire, c'est pas. Ouais, mais c'est Dans tous pas. les cas, ça m'a mis bien en tout cas. Ça, et puis là, c'était ce matin. J'avais annoncé effectivement le short ici, donc un stop loss à 395 et un TP à 331, et ça a plutôt bien pris. Voilà, donc petit short ici, exactement là. Voilà, rien de d'exceptionnel non plus, hein. Ça reste des trades, mais plutôt content parce que le marché a été vraiment très très bas assez rapidement. Une très belle fin de mois. Ouais, et ça, franchement, c'est plutôt cool. Bizarre qu'il explose comme ça à la baisse le DAX. Il était dans un range, il fallait bien qu'il explose à la hausse ou à la baisse. Ouais, de toute façon, ouais, c'est sur des ranges comme ça. En fait, il avait déjà réintégré, il était reparti. Ouais. Bon, au bout d'un moment, clairement, le marché, il explose, tout simplement. Ah, tu trouves pas mon Facebook? Normalement, c'est bon, Facebook. Hop, non, c'est bon. Je remets à jour le lien, normalement, c'est bon. De très belles perfs pour finir le mois sur le DAX Do, fin de mois, fin de trimestre. Bah, nickel ça. 15 positions gagnantes, 3 de perdues. Bah, écoute, C'est pas propre. mal. Bravo, Pierre. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. J'ai short les 375, stop loss 215, objectif 11 008, short lundi. Ok, d'accord, 11 008. Ah oui, bon là c'est bien plus bas. C'est bien plus bas en termes d'objectif, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Salut Guillaume, je commence le trading et tes vidéos sont superbes. Écoute, merci à toi Guillaume. On va arrêter alors sur une couverture. Comment ils sont? Ok. On verra bien ce qu'on va faire la semaine prochaine. Tib, salut Tib, dommage que tu partages pas sur Twitter. Je suis pas du tout sur Twitter et ça m'intéresse pas du tout Twitter, je suis désolé. Déjà Facebook, il y a déjà pas mal de choses à faire, mais alors si je mets Twitter en plus, je serais complètement perdu. Surtout que voilà, je suis pas forcément fan de la communauté Twitter. Sur Facebook, il y a tellement déjà de messages à gérer que. On est bien. On est bien, on est bien. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Bon, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Bah écoute, dès l'instant que t'as appris, c'est le plus important, malheureusement. Ça, t'es obligé de te perdre, malheureusement, pour apprendre. 6 jours de range, on attendait une explosion à la hausse ou à la baisse. Bah, c'est ça. Exactement. Exactement. Salut Blick, bienvenue à toi. Salut Charlotte. La caméra est bien placée. Bah ouais, Elle, on je a. trouve qu'elle était mieux placée tout à l'heure. Ah ouais? On a acheté des petits supports exprès pour la caméra. Là, j'essaie de mettre en place un double système. Je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Non, c'est pas ça. Bon, je sais plus exactement c'était quoi, mais on essaie de mettre en place une triple caméra en haut. Donc ma caméra plus celle d'Alexis. Comment dire, la caméra Pour les au étudiants. milieu pour la salle de marché et la troisième caméra pour les graphiques d'Alexis. Et ça peut être sympa. Vous êtes beau, dit Stéphane. Lianti, vu qu'il a supprimé mon commentaire sur la vidéo. La qualité d'un trader, alors je supprime très peu de commentaires, donc déjà voilà. Je vais redire ce que j'avais dit déjà, un vrai trader prend des positions et se couvre à chaque fois ce que vous ne faites. D'accord, bon après si tu sais ce que fait un vrai trader, tant mieux pour toi, c'est bien. Peux-tu nous en dire plus sur le nouveau projet que tu as évoqué dans une de tes dernières vidéos? Bah si tu veux, l'idée ce serait de créer une série pour justement mieux apprendre le trading. À savoir par exemple la saison, alors je sais pas encore développer, c'est pour ça que je vous en parle un peu, mais la saison 1 sera très sûrement. Comment analyser un actif. Donc il y aura peut-être 7 épisodes de peut-être 10-15 minutes pour comment vraiment bien analyser un graphique plus rapidement, plus simplement. La deuxième saison, ça peut être comment analyser un actif à potentiel. La troisième saison, ça serait peut-être comment tracer les zones, etc. Donc c'est vraiment avoir une série complète sur bien améliorer son trading et ça pourrait durer un petit temps. Alors ça ne sera pas tout le temps un épisode de tous les jours, hein, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de faire sur une belle série. À voir, on verra bien dans un premier temps. Je vais tester, on va faire une saison pilote, on verra bien. Et si ça plaît, bah, je continuerai. Et si ça plaît pas, bah, on arrêtera, c'est pas très grave. Au moins on aura tenté, c'est le plus important. Audrey qui dit merci pour la newsletter tous les matins. Eh bien écoute, avec plaisir. Avec grand plaisir. Avec laquelle de tes formations peut-on avoir les signaux que tu partages, comme celui de ce matin? La formation XTB.
Voilà. Il y a, pour moi, il n'y a qu'une seule formation pour l'instant. Il y a, quand on parle des formations, il y a formation ICT et tu as l'initiation LT. Donc si tu parles d'une formation, il n'y a qu'une seule formation ICT, c'est la formation ICT Pro. Et donc effectivement, dans ce cas-là, tu as accès au live. J'en envoie pas en fait de signaux. Là, c'était exceptionnel parce que je voulais call avec mes étudiants un trade. Et si tu veux, l'idée c'était juste de call le trade en fait, c'est tout. C'était juste de call le trade. Et à ce moment-là, j'ai mis ça sur Discord. Donc j'ai mis ça, je les call, mais d'habitude je le fais en live directement. C'est juste que comme là je l'ai vraiment mis à l'écrit parce que j'étais pas en live aujourd'hui, c'est ça qui est différent. Sinon quand je suis en live, en fait, j'explique quand je prends position. Tout simplement. L'or, je n'ose pas, je trouve ça très compliqué, votre avis. L'or, c'est un peu délicat. L'or, c'est un petit peu délicat quand même. J'espère que ça commencera rapidement. On va voir. Alors, Lianity, enfin, l'association, c'est une association, on peut voir du bilan. Le bilan, tu le retrouveras sur le site internet ICT Finance, Lianity. Peut-on savoir comment agit ton pro-screener? Le pro-screener, si tu veux, il détecte une liste de marchés que j'ai moi-même sélectionné en amont. Non, il me semble qu'il y a genre 12 actifs. Et selon mes conditions à moi, donc en convergence, pivot, etc., il va me détecter en temps réel des marchés qui respectent ces conditions-là. Et c'est après à moi de prendre mon actif et de l'analyser une dernière fois pour me dire... Effectivement, là et là, il y a un marché à potentiel. Jérôme qui nous dit excellente cette journée, 6 positions gagnantes à fond sur le short. Bah écoute, bravo à toi Jérôme, ça fait plaisir. Après ce genre de journée, l'avantage c'est que c'est plus simple d'être gagnant quoi. Je veux dire, tu peux être facilement gagnant sur ce genre de journée. Ça baisse. Donc si tu arrives à une bonne stratégie de tendance sur des marchés pareils, tu peux quasiment que gagner quoi. En tout cas, ce serait rare de perdre toute ta journée sur un marché pareil. Enfin, ça serait dommage en tout cas. Je trade le dos en 50 ticks en démo. Je trouve que c'est bien plus précis que le 100 ticks. Qu'en pensez-vous? Si t'es gagnant sur le 100 ticks. D'accord. Totalement d'accord. Quoique le dos, il est quand même assez rapide. Tant que t'es rentable sur ton 50 ticks, reste sur le 50 ticks. C'est le plus important. Salut Racine, bienvenue à vous. Ah, bienvenue à toi. Bienvenue à vous. Parce que j'ai lu le tous. Penses-tu organiser un concours de trading un jour? Ça pourrait être fun. Ouais, c'est prévu. Après, comment mettre ça en place? J'avais déjà prévu ça pour faire un concours avec les étudiants, déjà dans un premier temps. Maintenant, concours organisé pour tout le monde, ouais, carrément. Ça peut être une très très bonne chose. Le problème du concours, c'est qu'on en parlait justement avec Alexis, c'est que le souci du concours, c'est que. Bah, en fait, même si c'est une démo, on peut faire un concours de. De toute façon, ça sera sûrement un concours en démo. Ouais, mais c'est ça. Pour pas non plus. Démo, mec. C'est ça le problème. Problème du concours en démo, alors après si on peut avoir si par exemple effectivement LCG serait prêt à nous sponsoriser pour le concours, le problème du concours c'est que en général tu mets 90% de ton compte et puis ça passe ou sinon t'es mort. Et quoi. Puis même après t'overtrade et tu commences à faire de la merde. T'es dans l'euphorie du truc, tu vas avoir un signal mais en fait c'est ça. Ce n'est pas du tout un et tu vas commencer à perdre. Si on propose un concours, c'est de, comme on disait, limiter à 1% par exemple de gain maximum. Même, franchement pour un concours même moins. Oui, par exemple. Pas plus de 0,5 par position, par exemple. Et au bout de 2% de perte, t'es hors jeu parce que sinon ça va. Par exemple. Ça va trop partir. Mmh, carrément, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Comment je peux m'inscrire à ta newsletter? Bah écoute, je vais t'envoyer le lien ici. Ça va être plus simple. Newsletter. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui rejoignent. Merci d'être aussi nombreux comme chaque vendredi à 18h. Salut Zara, bienvenue à toi. Penses-tu créer une appli ICT? Bon, ça serait génial. Ça serait génial. Par contre, ouais, ça, c'est du taf, quoi. C'est du taf, mais oui, ça serait une très bonne chose. Maintenant, il faut aussi qu'elle serve. Donc, je pense que dans un premier temps, l'appli, elle ne servira pas à grand-chose. Voilà. Ouais, à part pour les étudiants, pour donner les signaux. Ouais, ou c'est genre Euro-USD, pré-ICT. Ouais, carrément, à la pourquoi BS, pas. Là, ça pourrait être sympa. Ça peut être un projet, mais c'est pas pour tout de suite, en tout cas. Je préfère évoluer déjà, améliorer la salle de marché plutôt que l'appli, mais ouais, l'appli ça peut être une très bonne chose. Liani, il veut faire sa compta. peut-être qu'il va être mon comptable. Hein. tiens, une question pour toi, Alexis, lorsque tu scalpes avec Ichimoku, tu utilises d'autres indicateurs? Kanashi. Ouais, c'est tout. Que ça, hein, peut-être que deux indicateurs. Bah, j'ai aussi. T'as quoi, t'as une nouvelle même? Comment ça s'appelle? La Terre aussi. Ah oui. Ouais, donc il a trois indicateurs. La Terre me sert pas comme point d'entrée en fait. Ok.
Ok, Dany, pas de soucis. Bah, je t'invite à regarder d'autres vidéos. En démo, accès à tous, mais avec des règles imposées. Exactement. C'est vrai. Bah oui, Ouais, parce mais... que le problème, c'est toujours la même Ouais, chose, mais c'est le que truc, t'as c'est des que si... concours et... Moi, je tape pas le concours pour perdre une journée de trading en démo, quoi. Tu vois? C'est La pas faux. journée de trading en démo, je peux la faire en réel et C'est me pas faire faux. des pipes, tu vois. C'est pas Donc, faux. C'est pour ça voilà un peu. que pour l'instant je le fais pas parce que c'est vrai que c'est compliqué à réfléchir quoi. Mais déjà dans un premier temps c'est sûr qu'entre étudiants ce sera assez sûr. Parce que en fait le problème c'est que le fait de faire déjà un concours entre étudiants t'as un filtre. Le filtre c'est quand t'es étudiant tu sais que c'est des gens qui sont là à 100% pour travailler. Ils sont formés aussi, c'est ça le Exactement. truc. Mais c'est sûr qu'on organisera un concours un jour ou l'autre. Mais quand ça je peux pas te dire malheureusement. Bonjour à tous sur mon PA, j'ai commencé à essayer du BX4. Ok. J'essaie de créer mon pro screener, j'ai un peu de mal. Peux-tu faire une petite vidéo sur ça pour m'expliquer ce qu'il y a sur 2.8 j'enlève? Ça sera. J'ai déjà l'idée de faire une vidéo pro screener, ça faisait longtemps que je devrais Il y en a faire déjà une. de bons tutos sur Internet Il y a des pour très très real bons tutos, time. ouais. Il y a des très très bons tutos. Mais je voulais déjà faire il y a longtemps, mais. Mais voilà quoi. Comme il y a eu plein d'idées de vidéos entre temps. Mais ouais, ça sera prévu. Ça sera prévu, ça sera prévu, tout simplement. Yannick, il travaille peut-être pour les impôts. Ah, ça va pas le faire Voilà, ça va partir sur là. un XAUUSD, peut-être sur le plancher long terme pour viser les 1300, au moins silver, en sachant... Ouais, je traite vraiment pas tout ce qui est silver, or, gold, enfin, tout ça, je traite pas. Comment as-tu formé ton équipe? Vous connaissez avant le trading? Alexis, c'est un étudiant ICT de base. Et comme il est surangé, bon, on s'est rencontré une fois, puis une deuxième fois, et voilà. Voilà. Simplement. Tout bêtement. Tout bêtement, tout bêtement. Il est tombé sous mon Après, charme. exactement. Après Charles, qui s'occupe de setup trading, c'est du coup mon ancien moniteur d'auto-école. Et puis on a sympathisé. Et puis j'ai appris qu'il avait pas mal de compétences en informatique. Et il était effectivement réparateur chez Acer. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas on ferait quelque chose ensemble. Et du coup Valentin, bah, qui était un ami à Charles et qui lui faisait du dropshipping. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà, ça s'est fait un petit peu entre guillemets avec le hasard. Voilà. Après, faut juste savoir profiter aussi des compétences de chacun pour bien travailler. Voilà. Il n'y a pas de. Je sais pas à quoi tu t'attendais comme réponse, mais voilà, je sais pas si ça va te satisfaire comme réponse. J'ai suite d'informations, je commence à être rentable. Nickel ça, Xavier. Parfait. Est-ce que tu nous rejoins en live aussi, Xavier, de temps en temps? Est-ce que tu es en live avec nous de temps en temps pour discuter et voir un petit peu ce que tu fais? Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand tu dis je commence à être rentable, c'est-à-dire. Mais c'est bien, hein, franchement, si tu commences, c'est un très bon début. En même temps, un concours de trading est un peu contre ta philosophie, non? C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pierrick? Contre ma philosophie par rapport à quoi? Quel risque reward utiliser sur le forex? C'est une question impossible à répondre. Ça dépend de ta stratégie, ça dépend de ton actif, ça dépend de ton style de trading. Personne ne peut répondre à cette question. À Pas part plus si de c'est un charlatan. 1% de Mais risque ouais, déjà. 1%, 2%, grand maximum. Ah, même Attention, 2%, j'ai je même plus faire plus. Il y a le SMR Ouais, maintenant. même 2%, c'est beaucoup, je trouve. En vrai, ça fait du bien parce que j'ai même plus besoin de dire 1% de Déjà, moi, plus. je dirais 0,5%, c'est déjà beaucoup. Bah, quand tu débutes, oui. Parce Après, qu'avant, ça dépend de ton capital. je me souviens qu'il y a quelques mois, je disais 2%, c'est pas beaucoup. Ouais. Maintenant, je dis 0,5%, c'est beaucoup. Ah, bah oui. Hein. Ça change tout. J'ai oublié de l'enregistrer. Ça change tout, c'est vrai. Ça change clairement tout. Peux-tu me prêter bilan, Liani? Effectivement, ce serait pas mal. Ce serait pas mal qu'il nous montre ses bilans, Liani aussi. On partage. Aujourd'hui, j'ai eu 135 euros de gains, nous dit Pac, sans savoir ce que j'ai. Que j'ai ouvert de position sur le goal avec une taille position. Aïe. J'espère que t'étais pas en réel. Ouais. D'un côté, je me dis comment ça se fait que j'ai une position ouverte, et d'un autre côté, je me suis très surpris de gagner. Ouais, c'est. Ouais. Ouais. Ah, c'est sûr que ça surprend. Bah, heureusement que c'est du plus, hein, parce que Ouais, si c'est c'était ça. moins 135. Là, tu pleures. C'est compliqué. T'as des gros doigts, Pac. Ça fait des années, mais bon, essayer en démo, après en réel pendant 7 mois, après on en reparle. D'accord. Je demandais par curiosité. D'accord, ouais, pas de soucis. As-tu vu l'annonce de la démission du PDG de IG? Ah ouh! Sérieux? Pour les CFD, ils vont mourir rapidement, c'est intéressant que tu connais de l'interviewer nouveau Valentin pour dire ce qu'il en pense. Je pense pas que ça soit intéressant parce que Valentin ne va pas dire quoi que ce soit de plus. Je peux te dire que quand j'ai fait l'interview avec Valentin,
C'était pas en mode open bar ou... Ah oui, démissionne carrément. Putain. J'irai envoyer un message à Valentin pour voir ce qu'il T'es en pense. chaud? Mais c'est pas comme... T'arrives comme ça et tu lui poses toutes les questions. Enfin, Valentin a dû demander une autorisation à IG pour effectivement poser, pour laisser une interview. Et même IG a demandé quelles questions au préalable j'allais poser. Donc si je lui demande qu'est-ce que t'en penses, t'inquiète pas que jamais il pourra me répondre. Même s'il aimerait peut-être lui, jamais il sera, comment dire, jamais il sera, comment dire, il sera dans la possibilité. J'espère que ça me prendra plus, j'espère prendre mes positions. Ouais, c'est dommage, Pac, ouais, c'est dommage. Bon, au moins, voilà, t'as une situation pareille, au moins tu peux apprendre de ça. Le trading concours amène de l'overtrading selon moi, et pas un trade gagnant par jour. Exactement, bah, c'est ça en fait le problème. C'est pour ça que c'est toujours la question, c'est le risque. Je viens de voir une aberration. Ah, peut-être oui. Oui, Oui, Lenny là. Oui, mais Lenny va prendre la son ban après. oui, Le problème, oui, c'est effectivement du concours, c'est que ouais, ça amène l'overtrading, oui. ça amène un risque plus élevé. C'est pour ça que si. Je sais pas, en fait, c'est ça toujours ça le problème, c'est que tu peux pas vraiment. Après, l'intérêt aussi d'un concours, c'est de voir qui arrive à se démarquer en ne faisant pas forcément de l'overtrading. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux faire de l'overtrading, mais si tu fais de l'overtrading trop risqué, tu vas perdre. Donc dans le concours, tu n'apparaîtras jamais dans le top 10, par exemple. Donc pourquoi pas, justement, ça peut toujours être intéressant de faire de l'overtrading, mais au moins ça montrerait que bah, c'est pas intéressant. Et ça serait même intéressant de voir combien de sur les top 10, combien ils ont eu de positions, les top 10, et de voir un petit peu. Perso, je risque pas plus de 0,5% par position, je milite à la journée à 1% de perte. Bah, c'est C'est bien, très Olivier. bien, ouais. C'est très très bien. Bonjour, utilises-tu les options pour te couvrir? Non. Non, pas actuellement. C'est quoi les options? Les options, c'est tout ce qui est put, call, etc. C'est un peu, c'est assez compliqué à D'accord. maîtriser, mais il faut spécialement se former là-dessus. Mais non, ce sera prévu éventuellement à l'avenir, mais pour l'instant, non. Est-ce que 2% par jour en M5 c'est possible? Alors, il y a deux choses dans ta question. En M5, bon, ça, pour moi ça n'a rien à faire là, c'est-à-dire que tu peux faire du M5, du M15, peu importe. Hein. Après, c'est 2% de C'est risque ou ça. 2% de gain? Je pense qu'il dit 2% de gain. Ouais, moi j'aurais dit 2% de gain. 2% de risque. Ah, je... ah, tu penses? Je sais pas. Mais en tout cas, 2% de Bah, risque ou moins. dans tous les cas, c'est beaucoup. 2% de 2% de gain. gain, ça se fait. C'est compliqué, mais ça peut se faire. Ça peut se Avec faire, mais combien? un Ouais, marché mais comme il aujourd'hui, faut. ça se fait, par exemple. Ouais, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas marché Oui, pareil? après, oui, voilà, Jazin, pour le bon voilà. marché, pour faire 2% dans une C'est journée. ça. Faire 1% par jour, c'est possible, c'est l'objectif, mais jamais tu le feras. En réel, jamais tu le Ouais. feras à 100%. C'est normal après, hein. C'est le marché, c'est comme ça. Mais 2%, c'est vrai que c'est beaucoup. Je suis à 67% de rentabilité en compte virtuel, j'essaie d'être en live de temps en temps, malheureusement, pas toujours facile. Bonjour, bonjour. pas toujours facile mon boulot, ouais, non, mais ça se comprend. Ça se comprend. Mais 67, c'est pas mal. C'est pas mal, Xavier, ça. J'avais commencé une canette tout à l'heure, j'ai pété Au le frigo. pot. Au frigo, au frigo. Hein, comme d'habitude. Trop du cul. Trader uniquement sur. Ah non, la plateforme. On lit la pépite après. Ouais, Louis, ah, la la pépite. plateforme à laquelle tu traites te coûte combien par mois? Elle est gratuite. Pour le temps, c'est gratuit. C'est gratos. C'est complètement gratuit. Liani qui va manger son ban a dit trader sur uniquement l'analyse Je m'en technique, c'est occupe. n'importe quoi. Oh non, laisse-moi ce plaisir, s'il te Non, plaît. s'il te plaît, laisse-moi le ban. Oui, Oh. bah oui, bon, après, si. Mais qui est-ce que tu Apparemment, veux? t'as l'air de savoir mieux que tout le monde, donc tu manges ton ban. Ah. Il a eu Ça dit quoi? me dérangeait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu Un veux? vrai, J'ai déjà un vu vrai ma trader sur canette. ses positions de Elle est trading là où uniquement t'as sur les analyses vu? Il y en a techniques ou pas. indicateurs. En fait, c'est le genre de personne à l'époque qui Je disait sais pas. un vrai trader, ça trade à New York. Non, C'est c'est pas quand vrai. même. T'es genre. Au bureau Mon là. Dieu. Juste à C'est côté. le genre de personne qui pense vraiment Bah avoir après, raison du tout coup, sur les j'ai positions. l'impression qu'il traite pas uniquement sur des analyses techniques ou indicateurs. Mais je pense qu'il a jamais testé, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais il traite sur action. Oui, bah sur action, Donc tu déjà, fais. Oui, oui, tu peux pas mais ramener sur ta action, poids. c'est pas pareil C'est ça, aussi. tu peux pas ramener ta poids en T'es pensant que obligé de faire tu. de l'analyse fondamentale en action alors que Bien sur sûr, non, CFD, j'ai un mais 10, laisse je m'en tomber, fous. c'est subtil, c'est un gars qui pense toujours savoir mieux que les autres. C'est pas très grave, ça se comprend, Après, hein. s'il veut De toute façon, c'est le s'amuser trading, c'est l'ego. à faire le bilan de 30 entreprises pour le DAX, amuse-toi, hein, mais perdre de C'est temps. comme ça, c'est les égos l'ego de trader, quoi. 67%, du coup, Xavier, 67% de position de C'est ratio gain propre. 2,5. C'est bien ça. C'est C'est ultra très très propre. bien. C'est vraiment très très bien. Concernant les setups trading, combien ça coûte? Peut-on rencontrer l'informaticien en privé? Bien sûr. On est en train de construire la page Facebook, on est en train de construire le site actuellement. Donc tout va être mis en place très rapidement. Les setups trading, après ça dépend. Si tu peux me dire du coup Mogo Market,
quel setup tu serais intéressé. Deux écrans, quatre écrans, deux écrans, trois écrans, quatre écrans, six écrans. Voilà. Non. Dis-nous quel, bah dis-moi quel setup tu serais intéressé, je peux te donner les prix approximatifs. Ah ouais. Pour la démission du PDG, je vais voir si une finance market. Ouais, d'accord, bah, j'irai directement à voir en privé Valentin, ça va être plus simple. Que penses-tu de TradeStation Global? Je connais pas du tout. 1% de gain par jour, je signe tous les jours. Bah oui, bien sûr. Tout le monde signe. C'est quoi l'overtrading? Nous demande Blick. L'overtrading, c'est le fait de trop trader en fait. De trader plus que tu ne devrais, et du coup, bah, indirectement, l'overtrading amène à la perte. Moi qui faisais de l'overtrading et qui commence à m'améliorer, pas pour moi le concours, mais je suivrai ça. Ok, pas de soucis. Bah après, tu sais, tu peux trader comme tu fais en ce moment même et te classer dans le top 10. Hein. Encore une fois, le concours, t'auras des gars qui vont faire de l'overtrading, mais au bout d'un moment, c'est pas sûr qu'ils seront gagnants. Donc t'as carrément ta place dans le concours. Que penses-tu du concept DarwinX? Bah c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Après, je connais pas exactement comment fonctionne DarwinX. Mais c'est intéressant. Si tu veux, DarwinX, à la différence de ZuluTrade où j'étais à l'époque, c'est que DarwinX est beaucoup plus contrôlé. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est vraiment très très bien. Il n'y a pas de définition de vrai trader. Chaque trader gagnant a ses propres règles. Exactement. Exactement, Kevin. C'est ça. Mais va faire comprendre ça à quelqu'un qui a un ego. Et ça, c'est un ego pour un trader. Enfin, j'en mets ma main à couper qu'il n'est pas gagnant. Tu peux pas. On tu sait peux pas, pas. On sait pas. C'est différent le trading sur action et le trading sur indice. Ouais, mais un écho pareil, est-ce que tu gagnes vraiment? C'est ça le problème. Bon, peut-être que oui, après je me trompe, hein, mais en général, quand t'as un ego sur les marchés, tu peux pas gagner. Trois écrans, nous dit Tib. Et ensuite, Mogo Market nous dit 2 et 3 écrans. Alors, 2 et 3 écrans, merde, j'ai pas les listes devant moi. Moi, je me rappelle. Hein. Donc, on a deux gammes différentes. On aura le... Valentine, c'est quoi le stop loss? Effectivement. Ça sert à rien. On a deux gammes, donc la gamme premium et la gamme élite. La gamme élite qui est supérieure à la gamme premium. Sur deux écrans, alors écoutez bien parce que ça comprend les écrans, ça comprend le support et ça comprend le PC. Sur des setups, deux écrans en premium, on est à 997€. Sur des gammes élite, on est à 1299, si je ne dis pas de bêtises, 1199, pardon, sur des gammes 3 écrans, avec du coup les 3 écrans, le PC et le support, bien sûr, sur la gamme premium, on est à 1399, et sur la gamme élite, on est à 1499, en sachant que sur la gamme élite, le PC est 16 fois plus performant grâce au SSD. Voilà, pour ceux qui nous connaissent un petit peu, grâce au SSD, on a un PC qui est beaucoup plus puissant. Bien que le PC premium est très puissant, enfin très puissant, il est puissant, le Elite, il décolle. En sachant, du coup, j'ai une bonne question de Mugsystaff qui nous dit les écrans sont de combien de pouces? Les écrans sont de 24 pouces. Hein, on va pas vous proposer du 22 pouces parce que personnellement, je trouve que 22 pouces. Je trouve que 24 c'est bien. 27 24, c'est trop grand, 22 ouais, c'est trop petit. Je suis totalement d'accord, ouais. 27 pouces c'est beaucoup trop grand. 24 pouces, c'est vraiment génial. Ouais, moi j'aime beaucoup. 22 pouces, c'est vrai que. Bah après, j'ai eu un écran 22 pouces au début. Ouais, je trouve ça petit. Hein. Tu t'y habitues en fait. Tu t'y habitues. Mais 24 pouces, pour moi, c'est l'optimal. C'est vraiment ni trop grand ni trop petit, c'est génial. Donc t'as un écran 24 pouces. Voilà. Écran 24 pouces. En sachant que sur les modèles Elite, deux écrans, tu pourras tout simplement, juste ici, ajouter ton troisième écran par la suite et juste le brancher. C'est-à-dire que tout sera prévu pour que tu puisses en fait directement brancher ton troisième écran et utiliser une plateforme deux écrans pour une plateforme trois écrans. C'est l'avantage du Elite en fait. Voilà. Voilà. Une question. Oui, non, mais attends, je vais la reprendre, t'inquiète pas. Donc voilà un petit peu une station trois écrans à 1390, c'est largement correct. C'est pas les stations à 6000€ que je vois sur internet, clairement. Pro Real Time, c'est payant? Si oui, c'est combien? C'est gratuit. Si tu passes plus de 3 trades par mois, 4, ou 4, ouais, 4, oui, 4 trades par mois sur IG, sur ton compte réel, c'est gratuit Pro Real Time. Après, sur Pro Real Time, c'est FD. Après, sur Future, c'est un peu différent. Overtrading, il n'y a pas de plan de trading. C'est pas ça. Non. Ça y conduit, parce que si tu n'as pas de plan de trading, effectivement, c'est-à-dire que tu sais pas quand tu t'arrêtes. Ouais, donc mais indirectement, non, parce que il a raison. Pour moi, vraiment, l'overtrading, c'est quand tu laisses tes émotions t'influencer sur ton analyse technique. Non, mais t'as pas de plan aussi.
si t'as un plan, mais tu l'appliques mal à cause de tes émotions, tu vois ce que je veux dire. Il y a un peu du fait que t'as pas de plan. Ouais. Mais c'est vrai que même si t'as un plan, l'overtrading, ouais, ça peut arriver. Ouais, mais tu peux avoir un plan et overtrader, tu vois. Ah oui, justement, ouais. Ouais, bah là, c'est juste que psychologiquement, t'es pas assez fort. Bah oui, c'est ça. Effectivement. C'est quand tu trades trop, je crois qu'il y a une fait. Part, il y a effectivement une part de vérité, quoi. Pour les débutants, tu conseilles de trader des actions ou le forex? Aucun des deux. Pour les débutants, honnêtement, les actions, c'est compliqué. Mmh. En fait, le problème, c'est que si tu veux les actions, il faut détenir un capital plus important quand même que le forex. Maintenant, ça reste des marchés financiers, ça reste ouais, deux marchés les actions, il y a l'analyse fondamentale derrière et ça, c'est compliqué. Exact, je suis d'accord. Il faut savoir analyser un bilan, le bilan d'une entreprise. Exact. C'est pas évident. Une station 6 écrans. Une station 6 écrans, la premium, elle est, il me semble, si je dis pas de bêtises, à 1790 et 1990 pour la Elite. Mais voilà. Du coup, pour les débutants, moi, je conseillerais plutôt le 440 ou le DAX. Ouais, des indices, quoi. Ouais, les indices. Que penses-tu du copy trading? C'est une très bonne question, ça. Franchement, ton Scott. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne chose quand tu sais toi-même, quand tu es toi-même rentable sur les marchés financiers. Carrément. Mais tant que tu n'es pas rentable, je déconseille très fortement. Carrément, c'est vrai. Tant que tu n'as pas appris à être indépendant, ouais. Ne cherche pas à être dépendant, en fait. Parce que tu vas t'accrocher à des signaux que tu ne vas même pas comprendre. Mmh. Et ça, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Si c'est grand, vous prenez le mur de votre salon. Bon, après, il faut avoir la place. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir un bureau qui permet d'accueillir justement une station 6 écrans. Bah après, même... Mais ça prend pas tant de place que ça. Ouais, hein. C'est ça. Bah, c'est exactement ma station, mais il faut. Ouais, puis après, s'il y a moins de place, tu prends un 4 écrans, ça fait le taf et c'est vraiment pas compact. C'est bien. Exactement. Est-ce qu'Alexis, tu nous expliqueras un jour cette stratégie? Est-ce que Alexis nous expliquera cette stratégie? Sinon, un vrai trader très dangereux, c'est bien connu. Bah oui, je peux même vous les partager maintenant. Bah celle que j'ai utilisée là, bah c'est elle est encore en backtest, donc je suis en démo. Mmh. Mais j'avais mes stratégies de day trading. Oui, je peux expliquer. Sur la vidéo porte ouverte, à un moment on voit un clavier de la dimension d'une calculatrice. C'est pour trader ou c'est ça? Ouais, je les ai changés parce qu'ils font un bruit, mais pas possible. Et donc bah j'ai changé les claviers. Voilà. Alors je me suis trompé. Ah, tu penses pas qu'il parle de TradingPad? De la taille d'une calculatrice. C'est pas la dimension d'une calculatrice. Ah oui, effectivement. Oui, effectivement. Si tu parles d'un petit pad comme ça, un petit pad numérique, oui, effectivement, c'est un projet que je suis en train d'essayer de mener, qui s'appelle le Trading Pad, où on va pouvoir en fait trader à partir du pad avec des boutons spécifiques pour le trading. Ça va être incroyable. Ça va être une folie. Ça prend du temps. On va commencer, parce que là, on préfère lancer Setup Trading dans un premier temps et ensuite proposer le Trading Pad via Setup Trading. Mais une fois qu'on aura vu pas mal de choses avec les fournisseurs chinois, etc., je peux vous dire que franchement, c'est un produit, c'est un très, 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 très bon produit. En tout cas, de ce que je pense. Après, est-ce que ça va être. On va tout faire pour que réellement, ça soit un bon produit. Et pour brancher tous les écrans sur un même PC? Bah oui, c'est le cas, hein. Tu pourras brancher les écrans sur le même PC. Quel est le dépôt mini sur IG pour avoir utilisé PRT? C'est 1000 euros. Le coût de la formation, nous dit Mathieu les guides, 349 euros la formation. Si tu parles de l'initiation pour les bases du trading, c'est 47 euros. ICT est un partenariat avec IG. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais parce qu'il y a pas de complément et tout. Non, on n'est pas. Pardon, PRT fait des partenariats. Oui, PRT fait des partenariats. On m'a déjà approché. Pourquoi oui. Tu fais pas un partenariat avec parce que c'est pour trader les futurs. Ah. Pas les CFD. Bah, faudrait leur demander. Bah, j'ai déjà demandé, t'inquiète pas. D'accord. Peut-on vendre ta formation en affiliation? Si oui, comment? Je suis pas très fan. Envoie-moi un message privé pour voir, mais. Vendre ta formation en affiliation? Bah, en fait, proposer en mode. Il y a apporteur d'affaires. Il prend une commission. Ouais. D'accord. À voir, mais ouais. Je suis pas forcément très très fan de tout ça. Ça dépend après quelle clientèle tu vises. Parce que voilà, moi je dis, si effectivement il y a une personne qui me dit voilà, moi j'aimerais bien proposer ta formation à d'autres personnes, ça me dérange pas, mais ça dépend quelle cible entre guillemets. Moi je veux pas tout ce qui est. Comment dire, tout ce qui est marketing agressif, marketing trompeur, etc. Ça, s'il y a effectivement une affiliation, je contrôlerai. Donc c'est pour ça que je ne le propose pas,
parce que j'ai pas envie non plus qu'on se trouve ICT sur des sites de cul et bite. Ça m'intéresse pas. Non, mais on sait jamais. Tu peux faire de la pub sur les sites comme ça. Ah ouais? Ah oui. C'est horrible. Bah ouais. Non, mais enfin, je donne un exemple, mais sur ma chaîne YouTube, je vois des commentaires, des fois ils se retrouvent en spam, et ils spamment sur les autres vidéos YouTube des commentaires, genre apprenez ici, apprenez là, cliquez ici. J'ai pas envie qu'on se retrouve avec ICT, cliquez ici. Horrible. Ah bah oui. Je veux absolument pas. C'est bon, l'image est importante quand même. Les CFD, ça va s'arrêter, bien sûr que non. Peu de chance. Bien sûr que non. Je teste la méthode de convergence en action, mais c'est pas une réussite. Je suis toujours à la recherche d'une méthode. Bah, le problème, c'est que la méthode de convergence, elle, en action, elle n'est pas adaptée. Vraiment, vous comprenez que les actions, c'est bien spécifique au trading que au Forex ou aux indices, etc. Moi, je vous déconseille de trader, de diffuser mes méthodes sur justement des actions, par exemple. C'est trop différent. C'est bien, bien différent. Je trouve que l'analyse technique marche beaucoup moins sur les actions. Bah parce que ouais, parce qu'elle est pas. Ouais. Parce que les actions ne dépendent pas essentiellement de l'analyse technique. Il y a effectivement une part d'analyse technique, mais le fondamental sert énormément, quoi. Que dire de plus? Bon, on va faire l'analyse technique tout à l'heure. Pour vous dire l'analyse technique, j'ai fait un petit bilan là tout à l'heure. J'ai fait un petit bilan. Sur les annonces, sur les calls que je vous ai fait, sur je vais shorter là, acheter là, etc. etc. Vous pouvez les vérifier parce que je l'ai vérifié moi-même sur mes propres vidéos, donc. Si Niali ou Niani ou je sais Niali, plus, ouais. Bref, je sais plus quoi, on sait jamais, mais. Ce petit animal de la forêt. Exactement. Effectivement, si vous vous doutez, bah, vous allez voir les autres vidéos. On est sur un très très bon ratio. Je vais vous donner ça juste après, mais on est sur un très très bon ratio et ça fait vraiment plaisir. Vous arrive-t-il de trader le Nasdaq? Non, pas du tout. J'ai pas de son avis, c'est de belles tendances. Par contre, les commissions ont l'air importantes. Bah, les commissions sont importantes. Le graphique me plaît pas trop en fait. Donc non, je traite pas du tout le Nasdaq. Un avis sur les cryptos. Voilà. À éviter. Pour le trading intraday scalping, perso, je trouve que c'est à éviter. Clairement. Trop de business, tout le business. Attention. Affiliation, mauvaise idée. Exactement, je suis d'accord avec toi. Surtout que j'aime pas voir mon école comme un business, surtout. Parce qu'une école, c'est une école. Et ouais, mais est-ce que tu traites en swing? Non, je ne traite pas en swing. Je ne traite pas du tout en swing. Alexis, enlève tes doigts de ton nez. Quoi? Bah, peut-être à la cam, mon. Ah, non, j'ai pas. Non. j'ai tradé debout aux US. Je sais pas, on peut. Tu as déjà. J'ai vu US, moi. T'as déjà tradé debout aux US, beaucoup le font. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, pas vraiment. Oui, pas. En fait, tu vois, t'as des bureaux avec un petit moteur ici. Ouais. Et t'appuies sur un bouton et le bureau se lève. D'accord. Et beaucoup, même de youtubeurs. En fait, préfère juste se lever. D'accord. Et trader sur un bureau. Pas... Ouais, mais tu trades pas 10 heures debout. Et bah apparemment, c'est mieux que de trader assis. Bon, c'est normal. Ouais, ça, mais moi, non, j'ai jamais essayé. Voilà, je suis pas forcément fan. Quel pair apporte le plus sur le Forex? Impossible de répondre à cette question aussi. Ça dépend de la tendance, ça dépend de l'actif. Non, mais il y a quand même les 5 pairs majeurs. Oui, t'as des paires majeures, euro-dollar, GBP-USD, USD-Yen, USD-CHF. Je pense que c'est qui plus parce que c'est là où il y a le plus de volatilité, exact. Il y a le moins de spread. Exact. Mais voilà, c'est des questions impossibles de répondre. Et si quelqu'un te répond, c'est aussi un charlatan. Ce sera prévu pour quand la commercialisation des PC spécial trader? Eh bien écoute, ce serait bien que ce soit prévu pour, je sais pas, la semaine prochaine. Tout simplement. Semaine prochaine. Après, si t'es déjà intéressé... N'hésite pas à nous envoyer un message. Tu m'envoies un message en privé sur ma page. Tu me dis exactement ce dont tu es intéressé. Par exemple, je sais pas, une station 2 écrans, une station 3 écrans. Et moi, je fais déjà passer ça à Charles pour qu'il voit un petit peu qu'est-ce que lui peut te proposer. Et il reviendra vers toi. Après, si t'es pas pressé, je te conseille d'attendre. Voilà. Le temps que, bien sûr, que le site soit là, que tu puisses avoir une vue sur les composants. Petite question sur gestion de risque. Est-il mauvais de ne pas miser toujours le même risque? Moi je trouve ça même. Je trouve ça pas mauvais. Sur la même stratégie, je trouve ça mauvais. Bah après, toi, le problème, imagine, c'est que t'as une approche scalp en fait. Ouais, non, mais même pour, maintenant, justement, pour toi, imagine tu prends une position à 1% et après tu prends une position à 1,5% de risque. Ah oui, bah après, c'est différent. Tu vois, moi je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que, en fait, ça dépend pourquoi tu ne mises pas la même chose. Ça dépend pourquoi tu ne mises pas la même chose. Parce que, effectivement, si tu mises jamais, enfin pas jamais, j'abuse, si tu ne mises pas les mêmes montants, ce que moi je fais, en fonction du contexte, oui, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, mais il faut avoir une analyse en béton derrière, quoi, c'est ça le truc.
tu peux arriver à découper tes positions. Ouais, en tant que débutant, je déconseille. Position golden, position platine. Ouais, mais toi, t'as l'œil pour repérer ça, tu vois. Mais si t'as un an, bah, va faire une bonne analyse pour savoir si. Après, oui, c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Si t'es débutant, effectivement, c'est pas non plus la meilleure chose. Ça dépend. Ma réponse, c'est vraiment pourquoi tu mises différemment. C'est juste ça. Après, en fonction de ta réponse, on va voir pourquoi. Les actions, c'est très compliqué. L'analyse technique est pas mal sur le temps quand t'as une chose en mer. Exactement, oui, mais c'est pour ça que je sais plus qui disait ça. Donc je suis d'accord avec lui, hein, je sais plus, Liani encore. Ouais. Oui, Liani, oui, je suis d'accord avec lui, hein. Je suis complètement d'accord avec toi, Liani. Juste un peu moins d'accord quand tu ouvres ta bouche sans réfléchir, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord quand même avec toi. En ce moment, je suis sur un nouveau plan, j'observe les mouvements des banques, je réfléchis comme le market maker, ça peut tromper les masses, ça marche bien, mais il faut être patient. Bah, t'as exactement raison, c'est très très bien, Lunas. C'est exactement ça. Réfléchis comme un market maker et crois-moi, t'auras des bien, bien, bien meilleures positions. Ratio toujours positif, mais risque de 0,5 à 1 et 1%. Comme d'habitude, enfin, comme d'habitude, comme tout à l'heure. Dis-moi pourquoi tu fais les deux. Et je vais te dire ça. On a des goals dans 5 minutes, ça commence à se retourner. Franchement, j'ai réussi. Ouais, je ne traite vraiment pas le goal, hein, franchement. Alex trade en 50 ticks de temps en temps. Je trade aux alentours du 50 ticks, oui. Que penses-tu du backtest? C'est-à-dire, backtest par rapport à quoi? Je pense de la qualité des backtests sur PRT. Tu sais, entre la démo et le réel. Tu vois, là, c'est pas du tout. Enfin, c'est pour ça, pour moi, la réponse, elle est pas complète. Que penses-tu du backtest? Non, mais sur MTK, ça veut rien dire. Oui, c'est ça. Sur PRT, sur MTK, par rapport à un robot, par rapport à ta propre stratégie, par rapport à. Tu vois? Donc, si tu peux compléter la réponse, la question, Samir. C'est quoi la différence exacte entre CFD et futur? Il y a plein de vidéos là-dessus, j'en ferai Moi je te conseille, c'est d'aller de taper sur Google différents CFD futurs en Lille. Ouais. Et t'as un énorme post de Benoît Rousseau qui explique ça, mais magnifiquement bien. Exactement. La grosse différence, je vais te dire, c'est que t'as un marché qui est régulé, un marché non régulé. Et en fonction de ton capital, tu peux t'orienter. Voilà. En gros, voilà. Après, non régulé, quand même pas. Enfin, non régulé, ouais, non régulé. J'abuse, mais t'as compris. Salut PlayPlay, j'ai pris la formation de Cité Pro et j'ai le droit à une journée de stage en direct, exactement. Mais malheureusement, je ne pourrais pas être dispo sur la date de 2018. Y a-t-il d'autres dates? Oui, bien sûr, il y a des dates 2019, bien sûr. Je peux même te les donner maintenant, en avant-première, entre guillemets. Il y a effectivement des dates pour 2019. Les dates sont le 27 février, le 25 avril et le 26 juin. Pour l'instant, ce sont qu'on en mette un peu plus. Il y aura potentiellement un peu plus de dates parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, ça va dépendre de la demande. Mais voilà, c'est les trois dates que pour l'instant j'ai posées. Salut Carlos, bienvenue à toi. CFD gré, futur centralisé. Exact. Michael, je rentre du boulot et découvre du cours, le cours du DAX en H1. Quand je vois la convergence du jour, vous avez dû vous amuser. T'as tout compris. T'as tout compris. Ah bah oui, c'était un très bon marché aujourd'hui, comme hier aussi. Alex qui trade depuis combien de temps? Un an et demi à peu près. Un PC pour trade, c'est cher, quel prix environ? Bah écoute, qu'est-ce que tu cherches comme PC, Mathéo? Un écran, deux écrans, trois écrans? Nous, personnellement, sur Setup Trading, on ne vend pas un écran parce que tout le monde peut avoir un écran, en fait. Ça dépend combien d'écrans tu veux. Est-ce que tu veux deux écrans? Est-ce que tu veux trois écrans? Ça dépend. Donc dis-moi combien tu veux d'écrans et je t'orienterai un petit peu au niveau du prix. Qu'est-ce que le market maker? Pour moi, tu as deux types de market maker. Tu as le courtier qui va potentiellement essayer de jouer avec tes stops. Et tu as les gros market makers ou ces grosses institutions, gros traders qui vont se faire la bataille entre eux. Il faut prendre le trading comme une guerre, en fait, alors, finalement. Il faut prendre le trading comme une guerre, hein, une guerre acheteur-vendeur. Donc, le but des acheteurs, c'est de tromper les vendeurs et inversement. Donc, c'est ça le market maker. C'est d'arriver à tromper non seulement les acheteurs et vendeurs, mais aussi les traders particuliers. C'est pour ça, des fois, que tu vois une baisse, et tout d'un coup, ça remonte énormément, et après, ça repart juste après. Tu te dis, pourquoi s'il se passe ça? Parce que c'est un mouvement de market maker pour tromper tous les vendeurs, les faire sortir de leur stop loss et repartir à la baisse. Voilà, et c'est dans ces moments-là que moi j'aime bien intervenir. Juste après, juste quand on a trompé tout le monde, hop, on intervient et là le pourcentage de réussite sur les trades comme ça sont très élevés. Faut juste après, par contre, avoir l'expérience pour repérer ce genre d'événement.
Salut Samuel, à partir de quel pourcentage de positions gagnantes pour des ratios de 1 considères-tu une stratégie comme intéressante à trader? Je dirais 60, 65%. C'est Ça dépend après le nombre de trades. Si t'as, si t'as, on va dire, si t'as 5 trades dans le mois, ça va être compliqué. Si t'as 100 trades dans le mois, c'est très bien. Ça dépend. Mais 60, 65, ça commence à être bien. Bah, c'est intéressant, c'est mathématique, hein. Y a-t-il de bons PC portables pour trader? Bah, n'importe quel PC supporte le trading. Je veux dire, ouais. c'est de la bureautique le trading, hein. Ça reste que ça. Maintenant, moi, je te déconseille quand même d'avoir un PC pour trader. Un PC portable? On en a déjà discuté. Ouais, je sais, mais je sais bien. Moi, je suis assez pour les PC portables en trading. Problème, c'est que tu seras jamais aussi confortable qu'un ordi Ouais, comme mais là quand tu où te t'es déplaces, c'est posé. cool, mec. Oui, mais quand. Mec, est-ce que tu peux trader dans un café avec ça? Tu peux aller te poser au Ouais, Starbucks, mais quand je vais boire trader. ton petit café et trader? Ok, quand je vais au Starbucks, je vais au Starbucks. Je vais pas trader au Starbucks, tu Mec, vois. bien sûr que Genre, si. je veux être tranquille. La prochaine Maintenant, tu peux fois. avoir les deux. Pour mettre tout Oui, le monde ah oui, ah d'accord. bah oui, bah bien Tu peux sûr. avoir les Ah deux. bah oui, c'est le mieux de toute façon. Mais le PC de bureau reste le meilleur. Oui, bah oui, Mais évidemment. tu peux effectivement avoir les deux. Aucun souci. Mais c'est très agréable. Tu Moi, peux j'ai même beaucoup avoir encore tradé. mieux un PC portable avec le truc que je t'ai dit, avec trois Ouais. écrans, deux Ouais, mais écrans sur non, le mais côté. ça, c'est une carotte, Ça. ça, c'est. Ouais, bah c'est génial ça. Ouais, mais c'est pas commercialisé encore. J'en sais rien. Non, mais parce que J'en j'ai sais rien. regardé, je voulais l'acheter, mais c'est pas Ouais. commercialisé. Ils abusent. J'avais le seum. Franchement, ils ont récolté je sais pas combien de milliers de centaines de milliers de dollars en plus. Non, pas centaines non plus, abuse pas. Il me semble qu'ils ont récolté genre 200-300 000 euros. Non. Ah, il me semble que Oh, les si. voleurs. Je sais, genre, mec, Ça devait sortir en ça fait 3 2016 ou ans. 2017, il me Ça semble. fait 2-3 ans, mec, que c'est censé. Ouais. Alexis, tu utilises Jimoku et quoi déjà? Kanashi. Steph, salut Ibrahim, tu ne parles plus de ton robot. Ben Steph, t'es pas étudiant ICT d'ailleurs? T'es pas étudiant ICT, Steph? Bah, il me semble que t'es étudiant. Si t'es étudiant aussi, tu sais très bien que j'avais posté quelque chose sur le robot il y a quelques jours. Mais si t'es pas étudiant, si, j'en parle toujours. Ce jeu que j'en parle pas publiquement en fait. Je connais, il y a eu tellement de projets avec la salle de marché que. Tu vois, le robot est limite devenu secondaire par rapport au setup et tout. Mais non, c'est toujours d'actualité. J'ai même fait encore une optimisation hier ou avant-hier, je sais plus exactement. Quel est le payoff ratio minimum pour de bons résultats? Il y a pas en fait, si tu veux. C'est quoi le payoff? Bah tout ce qui va être les résultats, ratio, win rate, enfin, tu sais, les deux D'accord. ratios, quoi. Ok. Pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu peux être gagnant avec 30% de gains. Ouais, Ça, si tu t'as des peux. ratios de 4 à chaque fois C'est en ça. Pour moi, swing, il n'y en a c'est pas, en fait. génial. Du moment que tu dépasses les 0%, c'est Ouais. très bien. Donc, il n'y a pas, en fait. Ça dépend de ton style. Moi, je considère qu'à partir de 5% par mois, c'est déjà pas mal. Bah, t'es un très bon trader si tu fais 5%. Régulièrement, mais Régulièrement, régulièrement, ouais. t'es considéré comme un très, très, Oui. très bon trader. T'es meilleur que certains traders de la planète. Je sais pas si tu t'imagines. Hein. 5%, faire 5% régulièrement, il y en a combien qui font? Par mois, c'est pas énorme, mec. Toi, tu vois en termes de quantité. Moi, je te parle en termes de régularité. Ouais, Combien c'est vrai. arrivent réellement à tenir 5% par mois? Il n'y en a pas non plus énormément. C'est tout. Dans le futur, Alex pourra-t-il faire des vidéos sur du scalping sympathique? Oh, les gars, ça fait 2 jours que je Avoir. me suis mis au scalping. Je vous apprendrai rien du tout. Doucement, doucement. C'est Mais ça. non, après, bah, si ça te plaît, après, Ouais, pourquoi mais pas, hein. enfin, il y a dans les élèves ECT, dans les étudiants, il y a des gens bien meilleurs que moi au scalping. Hein. Après, il y a toujours quelqu'un qui sera Voilà, meilleur que c'est nous, mais ça. Après, je vous redirige vers le commandeur de Bakir. Allez sur enlil.com, hein, Benoît Rousseau. C'est un scalper depuis 20-30 ans. Si vous voulez apprendre des choses, c'est allez pas le même regarder niveau. ses vidéos C'est et clairement son pas le même site. niveau. Là-bas, vous allez apprendre des choses sur le scalping. Merci à toi, Pépé, aucun souci. Je pense commencer par deux écrans. Bah écoute, si tu penses commencer par deux écrans, une station deux écrans avec le PC et les supports, il faut compter 990 euros pour te dire. Deux écrans pour commencer, je trouve ça bien. C'est très très bien deux écrans. T'as pas besoin de Moi je plus trouve au que deux départ. et trois écrans c'est le top. Quand tu fais du trading Que, ouais, uniquement. uniquement du Uniquement trading, ouais. trading, bien sûr. Deux, trois écrans c'est génial, je trouve. Il n'y a pas besoin de plus en vrai. C'est ça. Après, si tu commences à Voilà. avoir 5-10 ans Voilà, d'expérience, et que tu traites plusieurs marchés en et même là, temps, là oui, il effectivement, faut ouais. augmenter les Mais PC. pour Mais trader comme bon. ça, les 3-4 En prochaines général, quand t'es à premières années. 5-10 ans d'expérience et que tu traites plusieurs marchés en même temps, C'est t'as de la ça, c'est ça. thune. Mais les 2-3 premières années, Oui, 2-3 écrans, deux c'est écrans, ça large. suffit. Donc, ouais, 990 euros, en gros. Au lieu de faire la guerre, pourquoi on ne traite pas tous dans le même sens indéfiniment? C'est trop facile. Ta formation forme pour ceux qui tradent en swing à 4? Pas du tout. Non, ma formation est vraiment axée sur l'intra-scalping et non sur effectivement le swing trading. Je ne suis pas du tout sur le swing trading. Salut Pélil, bienvenue à toi. Oula.
Là, attendez. T'es à Quentin Mosca. Ouais, que penses-tu de l'analyse technique RSI stochastique plus bande de plus mini mobile simple 20 et MA. Je peux pas te. C'est impossible de répondre. Hein. Ça dépend comment tu t'en sers, ça dépend. Impossible de te répondre, malheureusement. Désolé, hein, Quentin, mais c'est... Quentin, pardon. C'est impossible de te répondre. Les gens ils demandent quel est le setup d'Alex. Les gars, ça fait deux jours que je scalpe. Ça fait que hier et aujourd'hui que je scalpe. Je vais pas vous partager un setup. Ouais, mais pour un scalper en deux jours, mec, tu. Ouais, mais je vais pas partager un setup que j'ai backtesté pendant deux jours. Mm-hmm. Genre, ça se trouve, c'était de la chance les deux jours là. Tu vois. Je pense pas, mais. Je pense pas non plus, mais. pour un scalper, c'est excellent. Mm. C'est excellent. Que pensez-vous de trader des retracements ensuite hein, sur un chaîne, sur un vente? Je le fais assez régulièrement et c'est plutôt gagnant. Retracement. C'est pas complet comme malheureusement comme question. Retracement de quoi? Retracement de Fibo sur achat de quoi? CCI, RSI. Toutes les questions de que penses-tu de Intel, que penses-tu de sa stratégie? Détailler un maximum, mais c'est surtout que même moi j'ai pas mon avis à donner parce que tant que vous êtes rentable, continuez comme ça. Et c'est plutôt gagnant, bah tant mieux pour toi, continue à approfondir. C'est gagnant, ouais, creuse encore. Tes analyses et tes points. Creuse, jusqu'à temps que ce soit encore plus rentable. Un café à 5 euros Starbucks. Non, mais ils sont très bons leurs cafés. Ah mec, c'est une dinguerie. Bah moi le billet de 5 euros il me reste, tu vois. Le mocha blanc mec. J'ai jamais goûté ça, tiens. Je t'emmènerai. Tu sais qu'il y en a deux sur Angers maintenant. Ouais. Mais tu sais que je vais tellement souvent à celui du Gaumont que je connais les ah ouais. Oh là là. J'ai un pote qui me traînait tout le temps là-bas. T'es riche toi en fait. T'es blindé en fait. Non mec, ça va. Tranquille hein. Les divergences avec RSI sont encore efficaces. Ouais. Ouais carrément. Ah bien sûr, j'ai traîné un moment comme ça avec les divergences. Pareil. Mais c'est bien, franchement. Après, il faut bien sûr les mettre au gros du jour. Mais j'essaye de bien mettre aux divergences. C'est pas mal. Hein. Pour de l'entraider, c'est pas mal. Même pour du scalping. Ouais, peut-être. À quand les prochaines soldes pour ICT Pro? Pas tout de suite. Ça vient de se finir. Ça vient de se finir. C'était la première fois que j'en faisais. Pas tout de suite, clairement. Je veux pas non plus vous proposer des soldes tous les jours comme ça. C'est vraiment la première fois que j'en proposais. Et, limite, je me suis dit, ce sera la dernière fois. Bon, j'ai vu que ça marchait bien et ça vous a plu, justement. Donc. Pourquoi pas un jour, mais pas tout de suite. Et Ishimoku ou quoi du coup de Inkanashi. Inkanashi, voilà, les chandeliers ouais. Inkanashi. Je suis en live. Tu es banni. Non, bah c'est bien. Quelle analyse enregistrée de nous proposer ce soir? Eh bien écoute, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, exactement comme d'hab. DAXDO, EURUSD. C'est plus efficace d'entrer des argent. Carrément. Salut Eric, bonsoir à toi. Combien de temps pour former un débutant et le rendre gagnant avec toi? Bah ça, encore une fois, c'est... Si tu suis la formation, que tu tapes tous les lives, c'est que dur que tu discutes un peu régulièrement avec les gars du Discord, franchement, en 6 mois avec la formation ICT, tu six peux... 6 mois si tu n'as aucune base. Bah si tu as fait la formation LT avant, quand même. Un peu de respect. 6 mois, un an, tu peux, ouais. Je pense que 6 mois, moi, un an, pour moi, 6 mois avec l'initiation LT, ouais, je suis d'accord. Tu peux commencer à faire des trucs assez cocasses. Je suis d'accord. 6 mois, un an, tu peux commencer à espérer gagner. Ouais. Tranquillement, hein, pas non plus à faire des petites pertes de 10%, quoi, des voilà, trucs sympas. Pas des trades qu'on a fait aujourd'hui ou oui, tout comme ça. Ouais. N'abusons pas non plus. Le marché aussi. Ouais, c'est ça. En fait, faut le temps que tu ressentes aussi le marché. Comme j'ai expliqué dans une vidéo il y a 3 jours. Après, il n'y a pas de secret. Pour ressentir le marché, il faut bouffer du graphe. Hein. C'est ça. Maintenant, si tu es étudiant ICT, je pourrais jamais te garantir que tu seras gagnant. C'est ça aussi le truc. Personne ne peut te garantir d'être gagnant. Parce que ça se trouve, la stratégie ICT ne va pas te convenir. Exactement. C'est ça aussi. Hein. Exactement. Alors, je ne peux pas te garantir que tu seras gagnant, mais je dirais que 6 mois, 1 an, si tu t'y mets bien, si tu suis exactement les cours, si tu arrives à développer une méthodologie et psychologie gagnante de ton côté et bien suivre tout ça, en 6 mois, 1 an, tu peux espérer commencer à faire des bonnes choses. Je dis bien, 6 mois, 1 an. En général, c'est 1 an ou 2 ans pour commencer à être rentable. Avec une formation, ouais, mais sans formation. Ah, sans formation, c'est un peu plus compliqué. J'irais 3 ans. Ouais, même plus. Après, ça doit dépendre des gens. Ça dépend. Ça dépend combien de temps tu passes devant l'écran. Voilà, c'est ça aussi le problème. 35 heures par semaine. Ah bah là, c'est plus compliqué. Comment faire le remplissage de zone par rapport au point pivot? Bah tu fais comme si t'as ajouté un indicateur et tu fais ajouter un remplissage et puis tu mets toutes les bonnes valeurs. Alexis Rousseau. Ouais, j'en suis encore loin. Pour un débutant, tu conseilles le scalping, le swing ou le day trading? Le day trading. Ouais, day trading swing, c'est pas mal. Scalping, c'est...
C'est un peu plus délicat. En débutant, je déconseille énormément. C'est trop compliqué. Il m'a payé en BTC ton café. C'est de la dope Starbucks, franchement, là, je suis déçu. Waouh. Je suis quand même pas trop d'accord. Je suis un peu d'accord avec toi. Non, arrête. Je suis un peu d'accord avec lui. Mec, 5 balles le café, quoi. Merde. Vous avez pas de coup. Il s'agit de ton robot Senior Trading qui est à la fin des chapitres sur la plateforme de ta formation. Non. Non, ça serait... c'est pas encore sorti le robot et ça sera un module à part. Belle, t'as à 45. D'où t'as vu que j'ai pas d'A45. Je n'ai pas de A45, désolé. Si t'as 10 000 euros, je vois pas comment tu peux faire 1% 100 euros par jour si t'as un money management de 1%. Ça veut dire que tu dois faire 100% 100 fois 2, donc 100... Quoi? What? Attends, si t'as 10 000 euros, je vois pas comment tu peux faire 1% par jour si t'as un money management Pardon, de 1%. Ça veut dire que tu dois faire 100%. Ok, on va reprendre. Non, bah non, c'est pas ça. Le truc, c'est que quand on dit que on... quand t'as un money management de 1%, bah dans mon langage, ça veut dire que par position, tu risques 1%. Oui. On est d'accord là-dessus. Ouais, carrément. Donc si je prends une position à l'achat sur le DAX avec un risque d'1%, je sais pas, en day trading, par exemple, je vais m'attendre au moins à avoir un ratio de 1, donc à gagner 1% minimum. Et donc, là, il part du principe qu'il prend des ratios de 0,5. Bah non, c'est un money management de 1%. Du coup, non, je pense qu'il est juste confondu. Hein. Il l'a pas compris, je pense. Faire 100... Ouais, mais 100% x 2. 100 x 2, pourquoi 100 x 2? Donc 100 euros de bénéf par jour. Bah oui, parce que tu investis 100 pour en récupérer 100 autres. Mais pourquoi tu dis que c'est impossible? Je vois pas comment tu peux faire. J'ai bugué, moi. Ouais, j'ai pas exactement... Bah tu dis, tu peux faire. T'investis 100 euros et tu fais un ratio de 1. C'est ça. Donc tu fais 100 euros de plus. C'est comme si tu faisais un pari sportif, tu misais 10 euros sur le PSG et tu gagnes le double. Enfin, bon, tu gagnes jamais le double avec le PSG, mais... salut Yammer Snipe, je vais voir comment ça passe ta formation, la durée, le coût, sur scalping, ce sont des vidéos. Alors ce sont des vidéos, je vais faire très simple, hein, je vais te faire très simple parce que je veux pas non plus faire ma pub non plus. Tu verras sur le site ICT Finance qui est juste en bas, c'est une formation en ligne dans un premier temps avec plusieurs vidéos, une bonne grosse quantité de vidéos. Ça n'a pas de durée puisque c'est un abonnement, c'est pas un abonnement, c'est un accès à vie que tu as. Tu peux nous rejoindre ensuite en live où on trade le lundi et le jeudi avec Alexis. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Tu as le droit pour inscription en nous rejoignant, tu as le droit à une journée en salle de marché ici sur Angers pour réapprendre la formation, pour mettre en application la formation. Gratuitement, évidemment. Bien sûr, c'est dans la formation. Voilà, je t'ai fait les grandes lignes, après t'as pas mal d'outils, t'as pas mal d'indicateurs supplémentaires, t'as un suivi, blablabla, t'as une communauté aussi avec le Discord, un chat en ligne, etc. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Non, ça fait rapide. Je devrais peaufiner ce... Au moins. Tu fais un tempé automatique. Je t'invite à aller voir le site ICT Finance pour que tu puisses y voir un peu plus. Je suis pas forcément fan de parler de tout ça en live, je préfère privilégier le live pour répondre aux questions sur le trading pur. Est-ce que tu penses que c'est possible de n'utiliser que son téléphone portable pour trader? Clairement pas. Ouais. Super ta formation, c'était pro, continue comme ça, super. Bah, écoute, merci à toi, Steph. On se voit un de ces quatre lives. Tu fais jamais de rediffusion des lives du vendredi soir? Non. Non, j'avoue, non. Non, mais j'en fais un condensé le dimanche, question-réponse. Sur HRSI, super à 80 cents, on s'aperçoit souvent qu'après des chandeliers normales, ça marche très bien. Quel que soit le time frame. 5, super. Ouais, mais. Ouais, mais après, c'est le récit, c'est son but, de toute façon. Mais ça sera jamais sûr à 100%. Mais oui, c'est le but du RSI de toute façon. Et bien, le risque n'est pas toujours égal, car parfois la position est moins bonne ou la ICT est dans le bon sens de l'analyse. Ça cite un exemple. Ça. Oui, ok. Quel est ton avis sur les formations multi trading? Je ne donne pas mon avis sur quoi que ce soit. Sur ça, en tout cas, je ne donne pas mon avis, je suis désolé. Maintenant, Alexis a fait la formation d'Alexandre. Mm-hmm. Bah, tu peux donner ton retour. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est très sympa. J'ai l'ALT, le book trado, mais c'est compliqué la mise en application d'une méthode. J'ai l'impression de me perdre. Bah, n'hésite pas à venir me voir pour une question. C'est pas une 45, non, pour moi. Non, c'est pas une A45. Oh non, c'est pas une 45. Ça coûte bien, bien cher. Une A45, ça coûte très cher. Et j'aime pas du tout les A45. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse, vraiment. Surtout l'aileron. L'aileron de la 45 est immonde. Il est à vomir. Quel indicateur tu me conseilles? Ce genre de questions. Ceux qui te plaisent, ceux avec qui tu as des affinités. Va pas chercher le compliqué, prends des indicateurs de base. Ouais, et puis teste tout temps. En fait. Mais je pourrais jamais te conseiller quelque chose puisque je suis pas à ta place. Je peux pas, comment te dire.
Je peux pas te conseiller quoi que ce soit dans le sens où ça dépend de ta stratégie, ton style de training, etc. Starbucks fait des super cafés, mais un très gros défaut, les gobelets sont non recyclables. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit nous empêcher de... Bah à 5 balles un petit peu. À 5 balles, tu te poses la question. Salut Vara, tu nous fais une allocation du bureau pour trader hors formation, je parle. Oui, David. Salut David, déjà. Oui, exactement. Je proposerai à partir de 2019. Il faut que ce soit des étudiants, bah, par contre. En prenant l'allocation de Dex, tu auras la formation avec. Ouais. Voilà, pour te dire. Tu auras la formation que je t'offrirai en location de bureau. Mais oui, c'est prévu de créer. C'est pour ça qu'on essaie d'agrandir. Mmh. Là, on va doubler justement les bureaux d'ICD. C'est prévu. Clairement, c'est prévu de faire un grand bureau et de proposer l'allocation pour avoir vraiment, pour trader, en fait, pas trader seul, mais trader tous ensemble. Ça va être génial. Salut Daniel, toujours pas de newsletter. Bah écoute. Bah pourtant j'ai refresh les newsletters ce matin. Ouais, regarde tes spams ou ton mail peut-être rejette automatiquement. Renseigne un deuxième mail dans ce cas-là. Essaye de te réinscrire. Ça part bien tous les matins. J'ai pas trop compris de vous dire, car si tu as fait 10 000 euros, tu dois bien faire 100 euros pour faire 1%. Oui. Mais si tu sur les 100 euros, sur les 10 000 euros, tu prends une déposition à 100 euros, tu feras jamais 100 euros par jour. Non, bah c'est pas clair. Parce que si on prend une position à 100 euros, pourquoi on ferait jamais 100 euros? Si la position à 100 euros est gagnante, on gagne 100 euros. Donc ouais, on a fait 100 euros en une journée. En fait, je comprends, je comprends pas pourquoi tu trouves que c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui pour toi ne fait que c'est pas possible? Quel broker conseilles-tu pour des spreads très faibles? Je vais t'en conseiller deux parce que je conseille jamais un broker, mais t'as mis un S partout donc c'est déjà super bien, Charles. IG, qui pour moi effectivement, ils ont les spreads les moins chers, ça c'est indéniable. C'est pas le meilleur courtier, mais ils ont les spreads. J'aurais pas conseillé IG, tu vois. Ah non, mais je conseille parmi les courtiers. Ouais. Tu aurais conseillé quoi, toi? Bah tiens, moi je donne IG, toi t'as donné. Moi j'aurais conseillé FXM. Bah j'allais dire FXM, donc. pas pour les spreads, mais pour pouvoir mettre que 50 euros dessus. Ouais, mais. Et ça, ça sauve la vie. Et ouais, moi j'aurais conseillé FXM et Admiral Market. Ouais, je suis d'accord. Admiral Market, 0,8 sur le DAX, franchement c'est propre. Je suis d'accord. FXM, IG, ouais. Admiral Market. C'est bien. Pour moi, c'est les trois meilleurs brokers CFD. Ça fait 5 ans que je trade perdu environ 3000. Attends d'être rentable en démo avant de passer en réel. En repassant en démo, c'est pas grave. Ouais. Pourquoi ne pas sortir un livre trading sur tes expériences et méthodes que tu pourrais... Mais c'est prévu, hein, t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas, Zara, c'est prévu. Non, mais c'est juste que... Voilà, faut le temps pour l'écrire. Je l'avais déjà dit il y a maintenant un an et demi, j'avais dit que je sortirais un livre. J'avais dit ça dans 2 ans. Bon, bah, on est 2 ans. Bon, bah, voilà. C'est trop encore 6 mois, du coup, c'est bon. Non, mais en vrai, c'est tellement de travail qu'avec tout ce qui se passe en ce moment pour la location, enfin, j'entends le commentaire, c'est pour ça. Pour la salle de marché, l'équipe ICT et tout, c'est impossible pour moi. J'étais déjà censé faire un e-book, j'ai même pas été capable de le faire. Parce que j'avais pas la tête à écrire. Alors que j'avais trop de choses à réfléchir à côté. Mmh. Mais oui, j'ai envie de sortir un livre. Un livre qui, cette fois-ci, par rapport à tous les autres livres, va vous apprendre quelque chose. Voilà, je suis désolé, mais... Je ne peux pas te laisser dire ça. Je le dis devant tout le monde, devant 127 personnes. Dis-moi, dans quel livre ne sera pas une promotion pour ma formation. Voilà. Et cite-moi un livre qui ne fait pas la promotion de ma formation. Khalid El-Bouzidi. Eh bien, lui, c'est spécifique chez moi. Non. Je te parle vraiment, non, mais oui, avec Karen et tout, ok. Moi, je te parle d'un livre trading 100%, formation, initiation, tout, toutes les bases. Cite-moi un livre qui n'est pas censé, qui est complet, qui a des beaux graphiques. Mais c'est pas possible de tout faire en même temps, Ibra. Bah, pourquoi pas? Bah, c'est ça qu'on va faire. Pourquoi pas alors? Ah, bah, putain, j'ai hâte de voir ton livre, c'est ça que tu vas faire. Mais mec, mon livre, tu vas l'aimer, tu verras. Non, moi, si je veux faire un livre bien. Mm. C'est un livre où t'apprends vraiment tout. C'est pas un livre où je vais vous dire vite, je vais vous apprendre ça, mais venez ma formation. Tu vois. Et c'est ça, malheureusement, les livres. Est-ce que tu vises des livres de traders exactement, Ibrahim? Tu peux nous sortir des noms, non? Je ne citerai aucun nom. J'ai dit tous. Donc je ne dis tous. Je vise tout le monde sans dire de nom. C'est plus simple. Non, mais il y a effectivement des bons livres. Je suis d'accord avec vous, hein, je ne dis pas le contraire. Il y a des bons plusieurs livres. Volumes. Mais il y a des livres, malheureusement. Il y a beaucoup de livres. Qui font beaucoup de blabla. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des personnes qui lisent ces livres-là qui me disent c'est un bon livre, mais c'est trop de blabla. C'est tout. Voilà. Donc moi, ce que je veux faire, c'est un livre où on explique vraiment les bonnes choses, notamment le point pivot. Est-ce que tu as un livre qui explique le point pivot, comme je l'ai expliqué sur les vidéos YouTube? Bah voilà, mais est-ce que tu as un livre qui explique ça?
J'en sais rien, je les ai pas tous. Bah voilà, mais il y en a pas. Ça se saurait, mec. Moi, quand on me dit conseille-moi un livre, je sais pas, j'entends conseil aucun. Je sais pas. Moi-même, je ne peux pas. Après, ça dépend ce que tu veux je, lire. Je, en conseille, fait. Je conseille quand même le best-seller L'Art du Trading. Parce que c'était le best-seller. C'est vrai que je l'ai pas lu. Hein. Je l'ai pas lu non plus. je l'ai même pas lu. Je l'ai pas lu, mais je le conseille parce que c'est le best-seller. C'est bien Cabage qui a fait ça. Ouais, il faudrait que j'achète. Mais voilà quoi. Enfin, bah tu sais quoi, regarde, achète-le. Et on le lit en live, mec. On fait une séance lecture live de. je serais trop chaud. En vrai, je serais trop chaud. Ouais, mais on se fait tacler là. Oui, on n'a pas le droit. Lis-le. Ouais. Et dis-moi vraiment si t'as appris plein de choses. Vas-y. Et dis-moi ce qui manque dans le livre. Et ensuite, on discute. Vas-y, y a pas de problème. Mais oui, je suis sûr que c'est un bon livre, mais moi je vise pas le bon, je vise le livre. Le trading à sens unique. Je veux le livre, vraiment le livre. Je vais répondre un peu à vos questions, on va faire l'analyse technique après. Ah, c'est vrai qu'il est déjà 19h15. Salut Alexandre, merci à toi. Je vais démêler sur Angers, nous dit Mika, avec grand plaisir. Franchement, Angers, meilleure ville de France. Ah. C'est pas nous qui lisons, c'est okay. Les statistiques. J'ai compris ce qu'a voulu dire Thomas. D'accord, bah je vais lire ça juste après. Okay. L'initiation à LT est excellente et peu de formateurs proposent des prérequis aussi intéressants et riches. Bah, merci à toi, Charles. L'initiation à LT, ouais, quand tu commences, que tu débutes, c'est, en plus c'est 47€, c'est rien et bah ouais. Ça t'apprend vraiment les bases en fait. Merci à toi. Merci à toi et merci à Charles. Merci, man. Entre vous concertez-vous avant de prendre position? Bah toujours. Enfin, on se concerte pas, mais on dit je prends position quoi. Ouais, c'est ça. On se dit prends position. Et c'est, des fois, c'est marrant temps, quand il y en a un qui vend et que l'autre il achète. Ouais. En général, c'est moi ce qui matin, perds la position. En live, il y avait des étudiants qui achetaient et moi je vendais. Bah tu sais, Oxygen a pris sa perte là-dessus, je crois. Non, il était gagnant. Il était à l'achat. Il était à BE, non? Ah oui, il était à BE plus 1. T'as raison. Et ce matin, on était en train d'acheter et moi j'étais en train de vendre. Et il y avait une bagarre. Et moi j'attendais mon setup d'achat. Il me manquait juste mon setup sur mon graphique principal, ouais. Qui m'a pas été donné d'ailleurs, heureusement. Mais c'est cool, hein, justement, quand on est en sens inverse, c'est cool. Ou même quand on est dans le bon sens, c'est très très bien. Mm. Location desk, on paye par mois, par an, et combien environ? Je pensais à environ 249 par an. Par mois? Non, par mois. Par mois. Ça va. En sachant que t'as la formation. En sachant ah, attends, que. Ah, la formation avec? Oui. Ouais, mais pour ceux qui ont déjà la formation. Bah, ça serait le même prix. Au moins, tout le monde sur le même pied d'égalité. D'accord. Ça serait 249€ par mois, je pense. Avec, du coup, la location, le setup, 3 écrans, potentiellement. Oui, bah oui, du coup. Ouais, avec tout l'accès à la salle, ouais. Quand tu veux. Ça les cours, une salle de l'accès détente, au live, l'accès ouais. À la salle de détente, l'accès etc. L'accès à nous, surtout. L'accès à nous, oui. C'est quand même non, mais ouais, je pense que c'est un très bon prix par rapport à des salles où tu payes quasiment 2000 balles, là, donc. Mais bon, après, c'est pas la même chose. Voilà, je dénigre pas, hein. C'est pas du tout la même chose. Tu regardes le mail. Blig, c'est vrai que je commence à être gagnant avec le MM et le pivot. Ah, je pensais que ça commençait en une blague, mais c'est bien, c'est nickel, Blig. Bah, voilà, on part du MM et du point pivot. Ça sera dans mon livre. Pour moi, c'est. J'allais dire que c'est pas de bons indicateurs. Si c'est de bons indicateurs, mais. Mec. Pour moi, c'est pas suffisant de trader avec ça. Mais j'ai jamais dit que c'était suffisant. Je sais. Mais c'est un bon début. Tu prends 100€, tu récupères juste ta position, voilà. Tu fais pas 100€ de bénéfice. Et voilà, en fait, il a pas compris. Ah quand oui, tu prends une position, c'est comme si tu pariais. En gros, tu vois un oui. Axe et tu te dis, je parie que le cours va monter. Si le cours vient taper ton stop loss, tu perds 100€. Si le cours vient toucher ton take profit, tu gagnes 100€. Mais tu gagnes si 100€ en plus de ton investissement des 100€. En voilà. Gros, ce qu'on appelle investissement, c'est ton nombre d'euros que tu es prêt à perdre, en fait. Si tu perds, tu perds 100€. Si tu gagnes, tu gagnes le double. Voilà. Bah non, je veux dire, tu gagnes 100€. Ouais, mais du coup, le double de ton investissement. Enfin. Non. Bah, tu gagnes... Ouais, mais pour lui, on peut lui dire le double pour lui. Mais pour les autres, on ne dit pas ça. Dans son, dans sa logique oui, à lui, ouais, c'est dans le sa double. Logique, voilà, ouais. Dans sa logique à lui, c'est le double. Salut Ibrahim Alexis, connaissez-vous un site ou blog qui recenserait des statistiques sur le trading, plus spécifiquement sur l'analyse technique, par exemple, quelle unité de temps la plus vue? C'est pas possible en fait de voir ça. Ouais, c'est impossible. Je sais pas. Avec Admiral, on peut trader en tick? C'est une question ou c'est. Pour moi, c'est une affirmation vu qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Ouais, bah oui. Mais je connaissais pas. C'est bizarre. Alex, tu m'as déçu avec le Starbucks. C'est trop bon le Starbucks. T'es pas le premier à décevoir. T'es pas le premier à être déçu ce soir. un livre serait excellent. En plusieurs volumes, carrément. Enfin, j'ai ton livre direct. Écoute, merci les gars. Je suis en démo, mais là-dedans, j'essaie de faire le bien du coup. Je ne fais pas beaucoup de trades. Est-ce bien? C'est dur à te répondre. Bah, en fait, ça dépend. Ça je dépend pas totalement. Plutôt tente les deux. Bien sûr, en démo.
Essaye les deux et voir sur lequel tu es plus rentable. Ça dépend de ta stratégie, de ta psychologie aussi. Exactement. Alors, je découvre votre live du vendredi, avec nous dit Métos. Peut-on le voir en replay? Je vais devoir partir et j'ai cru entendre qu'il n'y avait pas de replay. Je vais commencer à publier les replays en description. Ouais, pas de soucis. Eh bien, écoute, bonne soirée à toi, Métos, et puis tu auras l'occasion de voir le replay. Moi, j'achète ton livre, nous dit Amère. Mais écoute, ça fait déjà beaucoup de commandes hein, sur les livres. C'est ça. Pour ou contre le carnet d'ordre? Comment tu peux être contre le carnet d'ordre? Mais je sais qu'Alexis, il va pas être d'accord. Non, Rizitas qui dit pour ou contre le carnet d'ordre. Je sais pas, je peux même pas pour le carnet d'ordre, mais c'est qu'on est en CFD, on s'en fout. Il y en a pas de toute façon. En CFD, il y en a pas de toute façon, dans tous les cas. Mais tu peux pas, c'est même pas une question pour moi. Tu peux pas être pour ou contre. T'es obligé d'être pour. Le carnet d'ordre, c'est ce qui t'indique ce qui se passe réellement en temps réel. Petite question pour, pour Charlotte. Le livre Trading à sens unique, c'est de qui? Est-ce que ça m'intéresse? Voilà. Juste ça. Merci. Fais-tu des formations personnalisées, genre une semaine ou deux complètes avec quelques personnes dans ton école? Oui. Ça s'appelle les masterclass, où bah justement on en a une lundi là, qui commence la première masterclass, où c'est une semaine en salle de marché, où on apprend et on trade ensemble. Alors, je peux te donner le lien. Il s'était... Bon là ça va te donner juste, comment dire, le... inscription-masterclass, il me semble que c'est ça. Ça va juste donner le programme parce qu'elles sont complètes pour l'instant. Donc il n'y aura malheureusement pas de place, mais ça te donnera une idée du programme pour l'année prochaine. Parce que pendant le mois de Ramadan, tu arrives toujours à être concentré. C'est une bonne question, ça. C'est compliqué, mais il faut. Hein. Il faut. La première session, l'information, je vais passer en réel en octobre. Quand je suis débutant, je compte faire tourner un robot la journée sur le DAX. Céder quelques paires pour X. Le soir, sur mon temps. Bonne idée, au privé, le trading manuel. Si tu peux faire les deux. Ça dépend de ton robot, après. Essaye de mettre pas beaucoup de risques sur ton robot, dans ce cas-là. Au calme. Vraiment au calme. Gros bug de Zara, effectivement. C'est vrai. Pourquoi pas l'écrire à plusieurs? C'est un peu compliqué après ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. C'est quoi BE? BE, c'est break-even. C'est-à-dire que ton stop-loss est sur ton point d'entrée. On pourra dormir dans la salle, non? Non, non. Clairement pas. Bon, je réponds à des dernières questions. Il n'y en a presque plus. Daniel nous dit, Ibrahim, t'es le seul à parler de la zone morte, bien à toi. Ça sera dans le livre. Ça sera dans le livre. Mais bon, merci à toi, Daniel. Ça fait plaisir. Si t'as appris, ça fait plaisir. Que penses-tu du stop suiveur? Je suis pas un fan du stop suiveur. Je préfère le mettre à break-even. Je touche pas et puis basta. Une méthode pour arriver à laisser courir les gains. Force-toi. Il n'y a plus. Force-toi à laisser courir tes gains et prends 90% des bénéfices sur le TP et laisse 10% restant. Comme ça, t'es tranquille. Mais ça vient avec le temps. Mais force-toi. Force-toi à laisser un peu de profit. As-tu le projet de venir sur Paris pour une conférence un de ces jours? Pas pour cette année en tout cas. J'ai pas de conférence prévue pour l'instant. Faut que je fasse si c'est des pros avant les masterclass, j'imagine, vu que j'ai fait LT. Si tu veux, en faisant la masterclass, t'as automatiquement... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que mercredi, c'est férié en Allemagne. Mercredi prochain? Ouais. Mais la semaine prochaine, elle a l'air d'être toute pétée. Elle a l'air d'être vraiment pétée la semaine prochaine. Le golf que j'ai prévu pour mardi... On va faire mercredi. On va faire justement, pour ceux qui viennent une semaine, justement, en salle de marché... On a prévu des petites activités comme effectivement le golf. Il y aura du golf mercredi parce que c'est férié en Allemagne et je peux vous dire qu'il se passera rien du tout. Ah ouais. Le livre est écrit par Bruno Dupré. Ouais, je l'ai trouvé. Ok. Mais je trouve pas le PDF. Hein. Ah. Mais du coup, en t'inscrivant en masterclass, t'as automatiquement la formation ST Pro. Ils ont épuisé l'édition, ils ne veulent pas les rééditer, donc maintenant c'est gratuit. Okay. Tu sors un livre de nom de Mustapha? Non, c'est un projet, on en parlait. Salut Boltom, bienvenue à toi, salut Mali. Est-ce aussi d'être rentable quand on a déjà un job à temps plein? Tout est possible. Tout est possible en trading. Maintenant, c'est sûr que tu vas être un peu plus... tu vas être dans une situation plus délicate. Je pense que le swing trading peut être adapté à ton temps. Voilà. Tu as vraiment commencé à trader à 14 ans? Oui. Oui. À trader. Quand je dis trader, voilà, c'est un grand mot, hein. Je dis trader, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire quelques opérations, à m'entraîner un petit peu sur Golden Boys, etc. Salut, retour, bienvenue à toi. Vivons le bouquin et vive le Starbucks, Alex.
Ah, merci quand même. À combien, Colio qui nous demande à combien s'élève l'abonnement mensuel sur la plateforme de trading que tu utilises juste pour l'utiliser comme tu fais. C'est gratuit, voilà. Tu peux créer un compte démo chez IG, puisqu'en fait le seul courtier qui est accepté par Qualtime au CFD, c'est IG. Donc tu te crées un compte démo chez IG, tu as 15 jours gratuits, rien que ça. Et quand tu crées un compte réel chez IG, c'est gratuit à partir du moment où tu passes plus de 4 trades dans le mois. Même si c'est des 4 trades à 1 euro, ils s'en foutent. Donc c'est gratuit. Pour moi en tout cas, c'est gratuit. Elle sait que tu dis la classe, juste ça du golf. Ben, franchement, je suis un fan, enfin je suis pas un fan de golf, mais j'aime beaucoup jouer au golf. C'est vrai que ça détend, je trouve ça détend. J'avais amené Alexis là, il y a quelques 2 semaines, on y est retourné 2 fois, il me semble. Et non, c'est bien, comme je disais Alexis, le golf est très similaire au trading. Même si je dis beaucoup ça, mais c'est vrai, plus particulièrement le golf. Parce qu'il faut entraîner des mouvements, des réflexes, et les mettre en application, et faire les mêmes réflexes à chaque fois, exactement comme le trading. C'était quoi déjà le site pour créer des adresses mail Yopmail. Yopmail, merci. Quelles sont les meilleures heures pour trader? Ça dépend de ton fuseau horaire, ça dépend de l'actif. Pour Alex, je lis en ce moment l'analyse technique des marchés financiers de John Murphy. Il est vraiment top. Ça s'appelle comment? L'analyse technique des marchés financiers. John Murphy. Donc money management à 1% avec 10 000 euros, stop loss à 5 euros. C'est ça, exactement c'est ça. T'as tout compris. Avec plaisir Colio, bah, écoute, on va passer sur l'analyse technique de la semaine. Pour vous dire, alors, je vous publie un petit peu les résultats en amont. Je vais changer même la caméra. Hein. Je vais la mettre un peu plus proche de moi. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas forcément ma tête. Hop. Deux petites secondes. Hop. Voilà, nickel. Voilà, parfait. Bon, alors les amis, on va discuter très rapidement des analyses précédentes. Et ensuite, pour vous dire, on va faire une vidéo de 10-15 minutes de l'analyse technique qui portera sur le DAX, le Dow et l'euro dollar. Alors, pour ceux qui sont déjà venus en live, hein, pour ceux qui sont assez réguliers sur le live du vendredi, effectivement, faudrait bloquer retour à la maison. Faut pas des gens comme ça ici. Pourquoi faut pas des gens comme ça ici? Qu'a-t-il dit de méchant, le pauvre? Il a dû juste dire bonjour. Bah, tu m'as perdu, tu vois, tu m'as déconcentré. Non, je vous disais. Donc, on va ensuite tourner une vidéo. Enfin, je vais vous présenter mon analyse technique et ça sera enregistré puis rediffusé dimanche. Donc, ceux qui viennent ici sont déjà au courant. Mais voilà, pour le coup, ça sera déjà le cas. À la suite de ça, je vais vous présenter donc le DAX, le Dow, le dollar. Je vais vous donner aussi les annonces économiques de la semaine avec effectivement un petit message décryptage des annonces. Juste avant, j'aimerais revenir avec vous sur les plans de la semaine. J'ai publié, donc j'ai une petite liste, hein, j'ai une petite liste juste là. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aller vérifier en ligne. Effectivement, je vais le faire en live. Vous savez quoi? Je vais le faire en live maintenant. Il faut juste que je prépare bien mes graphiques. Donc, le DAX, changer de valeur. DAX 25, parfait. On va dupliquer ça. On va aller sur le marché du Dow. Toujours en M15, et exceptionnellement. Sur le Forex, en tout cas, je préfère analyser sur le H1, parce que je trouve que le H1 correspond très bien au M15 des indices, parce que c'est pas la même propreté. Encore une fois, ça reste mon avis. Alors, j'ai ça, et j'ai ça, c'est nickel. Eh bien, écoutez, on est quasiment prêt pour aller sur les séances. Vive le golf, exactement. Exactement, vive le golf. J'espère qu'un jour tu feras une analyse sur l'USDN. Ben écoute, moi je voulais faire une analyse sur l'USDN, mais voilà, c'est comment dire, malheureusement les gens n'ont pas voté sur ça. Je vous ai proposé un vote hein, pour quel actif on va trader, on va analyser, pardon. Les gens ne voulaient pas de l'USDN. C'est vrai que j'étais triste parce que le SDN, c'est aussi mon actif, c'est mon forex préféré. Bon, c'est comme ça après. C'est pas très grave. Bref,
Donc, je vais vous rappeler dans quelques secondes les performances. On va faire l'analyse d'axe do euro-dollar. Je vais vous donner les annonces économiques de la semaine, mon ressenti. Et ensuite, je vais vous dire dans cette vidéo, très bonne journée à tous. On se retrouve dès demain. Bonne semaine et à demain. En sachant, bien sûr, que quand je dirai à demain, je vais juste couper l'enregistrement du live, mais je ne partirai pas du live. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment pour ceux qui sont nouveaux et qui sont pour la première fois ici. C'est pour justement pouvoir deux choses, publier la vidéo dimanche et dormir. Voilà, je vous avoue, ça me permet aussi de dormir. J'ai pas envie de me retaper deux fois l'analyse technique. J'aime beaucoup l'analyse technique, mais pas de là jusqu'à expliquer deux fois les mêmes choses pendant 20 minutes. Ok, bon bah j'espère que vous êtes prêts et on va être partir. Je vais enlever l'enlever. Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé ? Je l'ai trouvé. Bah écoute, Charlotte, il l'a trouvé. Merci Charlotte. Il l'a trouvé. Alors, initiation LT. Je te paierai des signaux de trading pour me rattraper. T'as vu comment ils sont ? Waouh ! Elle risque d'être sur sa fin là pour. Je dirais ça ce soir. Mec, je t'envoie le lien sur Facebook. Avec plaisir. Comme ça, je pourrais le regarder. Je pourrais commencer à le lire ce soir sur mon PC. Ok, pas de souci. Alors, il y a ça. On va mettre ça juste là. Et on mettra le petit titre hop, juste en bas. Ok, parfait. Bon, moi demain, c'est journée pêche, nous dit LC. Ah ! Faudrait qu'on fasse de la pêche, Ibra. J'ai jamais fait de la pêche, mais je suis pas forcément fan. Ah ouais, c'est grave bien. C'est comme le trading, faut patienter avant d'avoir le poisson. Non, je veux pas faire de la pêche, désolé. Ok mec. J'ai pas envie de faire mal à des petits poissons. Non, ça je suis pas. Excuse-moi, dans les livres, on parle pas de l'indicateur point pivot, chapitre 2, l'indicateur point pivot. Oui, attends, mais comment ils en parlent du point pivot? Comment ils en parlent du point pivot? Je sais pas, je t'en reparlerai quand même. Mais non, la pêche, c'est mort pour moi. Je peux pas supporter mettre un hameçon à un poisson. Ah ouais? Ah, je peux pas. Sérieux? Mec, je peux pas. T'as dit, on fait de la chasse à court. Mais c'est toi que je vais chasser, mec. T'es sérieux? T'es un chasseur, toi? Non. Non. Je l'ai jamais fait, mais il est possible que je pratique ça. Non, mais non, fais pas ça. Ça va. Non, fais pas ça. C'est pas cool. C'est pas cool. Moi, je l'ai dit, c'est pas cool. Mais si on achète... C'est pas cool. Moi, je te dis, c'est pas cool. On achète des petits Vietnamiens pas chers. On les fait courir dans la forêt avec une petite... tu sais comment ça s'appelle les cloches. Une petite cloche autour du cou. Aïe, aïe, aïe. Bref, non, c'est pas cool. J'aime pas tout ça. Ok, parfait. Bah écoutez, on va commencer l'enregistrement. Début du coup de l'analyse technique, on va revenir justement sur les performances. Je vous disais à l'instant, donc performances sur mon petit bloc-notes, vous pouvez aller vérifier justement sur les dernières vidéos d'analyse. Le 12.08 DAX gagnant, DO non validé, euro-dollar stoppé à break-even, donc à BE. Bon, je ne vais pas vous faire tous les trades parce que voilà, il y en a une bonne quantité. Au total, pour vous dire, il y a eu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a eu 16 plans du jour. Plans de la semaine plutôt qui ont été partagés en analyse technique. Bien sûr, ces plans ne concernent que moi, c'est uniquement mon avis. En aucun cas, je vous conseille de les prendre. Peu importe, sur ces signaux, vous pouvez les vérifier. 11 sont gagnants, 3 sont neutres et 2 sont perdants. Ce qui nous fait une probabilité de gain d'à peu près 80% sur des analyses techniques. Donc je suis quand même plutôt content, je ne suis pas non plus surpris parce que je sais, voilà, je me vante pas, je sais que je suis bon en analyse technique, je sais que je fais des bonnes analyses techniques depuis un temps, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'analyse technique, c'est pour ça que j'ai extrêmement travaillé l'analyse technique, c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà, 11 gagnants contre 2 perdants, franchement, je trouve ça génial. Tout simplement, allons directement maintenant sur le marché du DAX. On va aller juste là, on va partir sur l'hebdo comme d'habitude, hein, on va aller sur les gros UT pour repartir juste en bas. Au niveau de l'hebdo, bon, que dire de l'hebdo? Que dire de l'hebdo? On revient encore une fois sur le haut du triangle. Je vous ai dit, de toute façon, tant qu'on est à l'intérieur de ce triangle en hebdo, ça va être très compliqué pour nous. L'hebdo, on revient sur le haut, on repart à la baisse. On est vraiment toujours coincé dans ce triangle avec un bas à environ 11 800 et un haut qui est assez variable, mais qui nous tient énormément la route. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on vienne le chercher, qu'on rebondit pour l'instant, puisque la bougie va fermer dans quelques heures. C'est intéressant parce que pour moi, c'est un très très gros signal de baisse sur du long terme, enfin sur du moyen terme, en tout cas en hebdo. C'est intéressant à voir si effectivement ça va se poursuivre par la suite. En journalier, si on peut voir un peu plus clair, tentative de sortie pour une énième fois à la baisse,
Je vous avais déjà partagé ce niveau 11 900. Très beau rebond dessus. On repasse. On part sur le bas. Contact quasiment au pip près sur la même sample. Voilà. On conserve quand même, on le voit, hein, on conserve quand même un biais baissier. On va pas se le cacher. Si on prend, alors je vais prendre mon petit outil ici. Un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Des plus hauts de plus en plus bas. Vous savez la suite. Hein, vous savez très très bien la suite. Marché baissier. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a des gros gros signaux baissiers sur le DAX. Et la journée de vendredi le confirme encore plus. Maintenant, c'est vrai que plus on dézoome, plus on se rend compte que la situation étendue est exactement au même niveau que justement sur l'hebdo dans le triangle. Là, comme je vous disais, par rapport à la journée d'aujourd'hui où on tourne la vidéo, qu'on est le vendredi 28, clairement, on a une très très belle séance baissière. On a pu, nous, personnellement, en profiter. On a enfin cassé ce range qu'on avait mis en place depuis le vendredi 21 septembre. Ça a été long, ça a été très très long. Ça a eu 5-6 séances de non-range, de non-tendance. Le marché casse enfin son range. Est-ce que c'est une bonne fois pour toutes? Moi, je pense qu'il y a du potentiel parce que, en général, lorsqu'on a une fausse cassure, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur les arnaques de marché, les arnaques de range. Là, sur une sortie de range, en général, c'est une ou deux bougies après l'arnaque. Là, effectivement, le marché ne se fait pas arnaquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend par contre une arnaque sur ici ce petit canal. Vous le voyez, ce gros canal baissier ou ce gros triangle qu'on a depuis des mois. On le casse, on hésite, on repart à la baisse. Et ça, franchement, c'est très intéressant parce que pour moi, du coup, on va aller chercher le niveau encore très, très important, un gros reverse ici, qui est à peu près à 12 130, 12 150. Très, très gros niveau. Et je pense qu'on peut réellement aller le chercher. On passe ensuite en H1 pour voir un petit peu plus clair. On voit que j'avais aussi positionné un niveau 12 209. Comme par hasard, ça a été très, très bien touché. Il n'y a pas de mystère, hein, ça correspond à une zone du gap qui avait déjà été comblée. Le marché a bien rebondi. Bref, franchement, marché quand même très intéressant malgré une séance qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup rangé. Au niveau du plan que je vous avais partagé, pas d'objectif au niveau du start. Par contre, effectivement, là, on va pas se cacher, on est sur un start qui est perdant. C'est-à-dire que on aurait dû shorter juste ici. Alors moi, j'ai shorté bien avant aujourd'hui, mais j'ai pas voulu shorter sur des plus bas, étant donné que on était quand même bien, bien, bien bas. Le short aurait été perdant, donc ça compte effectivement comme un autre trade perdant. Voilà, pour le coup, au niveau de ce short, ça renforce encore une fois mon idée. Je renforce le plan, cassure des 12 210 pour aller chercher 12 148. C'est toujours effectivement mon plan. Et pour l'achat, c'est exactement la même chose. Donc sur le plan DAX, je garde exactement les mêmes choses, je ne change pas mon plan, à voir par rapport à l'ouverture de lundi, mais clairement, pour moi, le plan reste intact tant que, on ne revient pas l'invalider une nouvelle fois. Passons ensuite sur le dos. Alors, c'est vrai que sur le dos, il y a pas mal de choses à dire, puisqu'on a fait un plus haut historique sur celui-ci. On va repasser en hebdo, vous le voyez, hein, sur le dos, bon, bah, clairement, plus haut historique, mais on revient un petit peu le plus bas cette semaine. Le marché n'a pas souhaité progresser encore plus. En journalier, hein, on voit hop, juste là quelques petites bougies d'hésitation, quelques petites bougies de correction. Ça reste tout à fait normal quand on a un marché qui part dans les extrêmes. C'est tout à fait logique de repartir un petit peu, de corriger pour pourquoi pas justement repartir encore plus haut. Ça ne m'étonne pas, je vous avais déjà partagé un niveau ici à 26 800 qui était clairement un niveau qui allait faire exploser le dos. Le marché hésite dans un premier temps, vous le voyez ici. Le marché hésite, casse, rebondit dessus. Résistance, passé support et le marché explose, toujours avec ce beau contact. Pour moi, le signal le plus intéressant dans le sens de la tendance, honnêtement, alors voilà, bien sûr, là je regarde dans le passé parce que je ne traite pas le dos, mais pour moi, le signal le plus intéressant d'achat, c'était cette bougie. Je vous laisse pourquoi pas mettre dans les commentaires pourquoi j'aurais acheté là-dessus, mais clairement, pour moi, cette bougie-là, c'est le plus gros signal d'achat sur le dos à l'instant où on y était. Point. Je sais exactement pourquoi, si j'avais effectivement eu le marché devant moi, je sais exactement pourquoi j'aurais acheté et j'aurais aucun scrupule d'acheter un marché pareil parce que clairement pour moi, c'est un très 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 gros signal de continuation. Par la suite, en H4, pas grand chose d'autre à dire, on évolue sous la MM100 tout au long de la semaine avec une tentative de traverser à l'instant où on se parle au-dessus. Intéressant. En H1, si on peut dézoomer, on voit bien que même au niveau des Bollinger, ça a été quand même assez propre. Même si, voilà, on a des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, on essaye de casser les plus hauts, juste là, et on n'arrive pas à casser les derniers plus bas. Donc clairement, pour l'instant, on est dans une phase de range, on est dans une situation de range, où on est bloqué entre les plus hauts et les derniers plus bas.
Donc clairement, tant qu'on n'a pas cassé un des deux, eh bien nous sommes toujours dans une situation de correction. Allons maintenant chercher en M15. En M15, bon, là cette fois-ci, le plan a été gagnant. Le plan était gagnant puisque j'avais donné un short zone ici 26 600, un short juste là avec un objectif à 26 556. Ça a été très très bon. Rien à dire de plus. Voilà, rien à dire de plus. Bien sûr, hein, l'analyse que j'ai faite, c'était le 21 septembre. Donc j'ai mis une ligne rouge pour signaler à ce moment-là. Voilà, rien à dire de plus. Hein, c'est bien matérialisé comme on a vu en H4, en H1. On a pour l'instant un range, c'est tout à fait logique, encore une fois, quand on a un marché qui est extrêmement, extrêmement baissier. Au niveau de mon plan du jour, alors au niveau de mon plan, alors, mon plan de la semaine, il est simple. Short 26 357 pour aller chercher 26 296 dans un premier temps. Et pour l'achat, ça je peux vous le dire, quasiment avec quasiment une certitude, cassure 26 556 pour aller chercher 26 602. Pour moi, c'est un plan qui va être largement, largement gagnant. Enfin, c'est mon avis, encore une fois. Bien sûr, je préfère le dire, mais pour moi, c'est un trade auquel j'aurais vraiment confiance. Voilà, clairement, voilà, rien de plus à dire. On déplace du coup cette ligne déplacée jusque-là, et puis on en reparlera du coup vendredi prochain. Pour finir cette analyse technique, on va aller chercher maintenant le marché de l'euro-dollar. Alors, le marché de l'euro-dollar, il a pris cher. Pourquoi il a pris cher, le marché de l'euro-dollar? Pour trois raisons. Première raison, c'était mercredi. Annonce Fed avec une augmentation de 0,25% des taux d'intérêt, c'est pas rien du tout. Deuxième raison, on a une très très grosse résistance juste là, on l'avait déjà noté et la preuve, elle a très bien réagi. Troisième élément, discours hier de Mario Draghi à 15h ou 15h30, le discours de Carter sur la Banque d'Angleterre et discours de Powell, le nouveau président de la Fed, hein, qui n'est plus effectivement Janet. Malheureusement, mais on a effectivement maintenant Powell. Et c'est vrai que le marché de l'or a pris très très cher. Sur cette épaule, tête épaule, on va même, je vais même pas vous expliquer la situation parce que chaque semaine on se dit bon, c'est un peu compliqué sur le dollar et c'est toujours le cas. On va passer directement en H4. En H4, vous le voyez, on est toujours dans cette prolongement de range. On pourrait vraiment le prolonger encore plus. Le range est toujours, toujours, toujours d'actualité. Et vous le voyez, ça arrive, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On avait un niveau très important ici à passer, le marché passe, pullback dessus, et on le casse une nouvelle fois pour aller chercher un niveau clé à 15 650. Franchement, l'euro dollar, je ne le comprends pas. Là, clairement, en ce moment, c'est range dans tous les cas, donc c'est toujours bien différent, bien difficile à évaluer. Au niveau du plan du jour, je vous ai donné un short zone 1.16410, ça a été encore une fois validé, puisque ici, on le voit, short cassure directement dans le TP, donc c'est nickel. Voilà, encore une fois, un autre plan de la semaine gagnant. Ça nous fait dos gagnant, DAX perdant, euro-dollar gagnant. Donc ça fait deux gains, une perte, de quoi gonfler encore une fois les statistiques. Au niveau maintenant du plan pour l'euro-dollar, si effectivement on continue à monter un petit peu, le plan peut éventuellement changer. Pour moi, mon objectif short, ma cassure short, ça va être cassure des 1.15572 pour aller chercher 1.15268. Pour la hausse, ce sera juste là. La hausse, 1.17531 pour aller chercher 1.17928. Je suis assez confiant sur des trades pareils. Encore une fois, je vous ai donné un petit peu ma façon de voir les choses qui est assez spéciale. Je vais chercher des niveaux qui ont déjà été touchés, mais qui ont rebondi assez spécialement. À savoir, ici, on voit qu'on a un rebond sans aucune vraie raison. Pour moi, ça renforce le niveau. Voilà, encore une fois, c'est comme ça. Ce short-là, ici, je vous l'ai donné, il y avait deux moments où le marché a rebondi sur des niveaux pareils. Pour moi, c'est une confirmation que le niveau a été cherché, a été travaillé. Donc, effectivement, je vais garder ces niveaux-là. Voilà un petit peu pour le marché de l'euro-dollar. Faites quand même attention parce que les tensions en ce moment avec les États-Unis, avec la Chine, etc., n'aident vraiment pas quant au marché forex, surtout notamment les paires en dollars. Maintenant, passons aux annonces économiques pour terminer cette vidéo et puis ce live aussi. Cette semaine, effectivement, je serai intéressé par un abonnement chez Orange pour changer de forfait. Effectivement, je suis chez Free et le réseau n'est vraiment pas très bon. Donc là, vous voyez que je suis en train de chercher des opportunités chez Orange. Mais effectivement, Orange, c'est cher parce que c'est 19,99 pendant les 12 premiers mois et ça passe après à 39 et franchement, ça c'est cher. Bref, au niveau des journées, lundi 1er octobre, Hong Kong, Chine fériée. Franchement, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Il y a deux semaines maintenant, on avait aussi déjà la Chine qui était fériée.
clairement, ça sent un peu mauvais. Deuxième chose, mardi 2 octobre, la Chine est fermée aussi. L'Inde est fermée. Bon, l'Inde, voilà, on ne va pas s'exprimer dessus, mais la Chine, ça reste important. Deux jours où la Chine est fermée, trois jours où la Chine est fermée, et malheureusement, on a effectivement mercredi 3 octobre, le DAX qui va être fermé. Donc vraiment, je ne sais pas quoi penser. Déjà mercredi, bon, comme d'habitude, on a 75%, 70% de chances que le marché soit chaos technique, ne bouge pas. Et il y a 30% de la chance que le marché explose dans tous les sens. C'est ce que j'ai pu en tout cas repérer lors d'annonces économiques. Maintenant, le fait est qu'on a 3 jours, 2 jours de marché chinois fermé, plus le DAX. Comme il y a 2 semaines, je vous ai dit, les gars, faites attention, lundi, c'était férié Chine, mardi, c'était la Fed, il me semble. Non, c'était la BCE, pardon. En général, les traders, ils font dodo. Ils font dodo, ils font le pont. Est-ce que les traders vont faire le pont pour 3 jours ? En vrai, il y a moyen. C'est pour ça que je vous dis, faites vraiment attention sur cette semaine parce que ça peut être extrêmement traître. Le jeudi et le vendredi, bah malheureusement, c'est la journée aussi nationale fermée en Chine. J'espère vraiment que ça ne va pas impacter notre semaine complète. Je ne pense pas non plus à ce point-là, mais c'est vrai que j'ai plutôt peur quand même pour lundi, mardi, parce que c'est vrai qu'il y a lundi, mardi, mercredi, il y a quand même vraiment moyen que le marché ne bouge pas du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites réellement attention à vos positions. Ne tradez dans ces moments-là, ne tradez que si vous avez des positions golden platinum. À savoir, quand vous avez des positions, si vous connaissez votre stratégie, vous savez à l'avance quel va être environ votre taux de probabilité sur certains trades. Dans ces cas-là, où on a des jours fériés, allez chercher des positions où vous êtes au moins sûr à 3/4 du temps. Quand vous avez des positions, des fois vous dites « Ah, je suis pas très sûr de cette position » ou des fois « Ah putain, je suis plutôt confiant ». Là, effectivement, cherchez des positions où vous êtes beaucoup plus confiant pour éviter, pas forcément l'overtrading, mais pour éviter des pièges de marché comme celui-ci. Donc si on doit revoir toutes les annonces économiques, lundi, je vois rien du tout, hein, PMI, pour moi, c'est pas important. Mardi, décision de l'RBA, bien sûr, c'est important, mais c'est qu'à 6h30. Discours de Powell, moi, ce qui va m'intéresser, mardi, c'est uniquement le discours de Powell à 18h aux États-Unis. Mercredi, création d'emplois non agricoles, c'est pas l'annonce officielle, mais ce sera l'annonce de vendredi. Ce qui va m'intéresser, donc mercredi, c'est le stock de pétrole brut. Le jeudi, décision de l'Inde, bon, voilà, désolé, mais ça ne nous intéresse pas forcément. On a alors les indices PMI. Et enfin, vendredi, ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est la NFP, création d'emplois non agricoles à 14h30, ainsi que le taux de chômage en temps réel et l'évolution de l'emploi au Canada. Voilà un petit peu, globalement, ce qui va m'intéresser sur des annonces économiques là-dessus. Passez du coup une bonne journée, j'espère que l'analyse technique vous aura plu. Très très bonne journée, très très bonne semaine à tous et à bientôt. Et voilà, ça c'est fait pour l'analyse technique. Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a ? C'était pas filmé là ? Si, bien sûr. Par qui ? Eh bien, par moi. Ah, par cette caméra. Ah, il aurait pas pu, je mets trop ma tête devant en fait. Non. Alors, attendez, je vais mettre vos messages. C'est un petit peu le zoo là dans cette salle. Est-ce qu'on, s'il vous plaît, on pourra avoir non plus pas le zoo ici. Vous croyez où là ? Oui, monsieur. Là, ce PC, c'est tourner ta net sur celui-ci et tout le monde aura internet. Et c'est-à-dire que moi je suis en Wi-Fi ? Ouais, mec, toi aussi. Pourquoi t'as 3 écrans, toi ? Pourquoi je suis en Wi-Fi ? Patron ici. Oh, parce qu'il nous manque un câble. Vas-y, patron. C'est bon, ouais, on va en acheter. C'était le secrétaire. Quoi ? J'en achète en avance, c'est bon. Ok, j'avoue. Bon, les amis. Pardon, Stéphanie. Wow ! Choisis-moi. Eh ! Eh, on est en live. C'est quoi votre problème ? Eh, c'est quoi votre problème, les gars ? Mais qui rote comme un. Ça va pas la tête. Hein. Qu'est-ce que fait l'expo d'analyse ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ça sent la grosse soirée ce soir, absolument pas. Ah, zéro. Zéro, zéro. Qu'est-ce que t'as fait pendant l'analyse, toi ? Je sais pas, j'ai pas fait grand-chose, tranquille. Avec du Bordeaux, il nous dit Louis. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Non, c'est qu'on est avec l'équipe, en fait. On est en train de peaufiner quelques détails. Mais non, moi, soirée, je suis pas du tout soirée. Demain, la bataille prochaine. Moi, Coteau du Layon. C'était malin, là. Free, c'est vrai que c'est pas terrible, mais ils sont pas chers. Bah, c'est ça le problème en fait. C'est ça le truc. Ils sont pas chers, mais alors qu'est-ce que c'est mauvais. Mon dieu. Le patron va me virer là. Me conseillez-vous le management de mon compte ? Est-ce que tu peux répondre à cette question, Alexis ? Ça veut rien dire. Bah, si, si. Que quelqu'un gère ton compte à ta place en trading. Bah, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut faire une réponse commune ? 1, 2, 3. C'est nul. Non. Okay. Absolument pas. On peut recommencer si tu veux. Absolument pas, Aruna. Absolument pas. Zéro. Ne prends pas un manager de ton compte. Surtout pas. Tu peux le faire toi-même, c'est pas compliqué. Gère ton compte toi-même, clairement. J'ai cru entendre une pomme de cœur. Tu dis que c'est mieux de commencer avec un bon capital, mais la question est comment commencer à te le. C'est
commencer cette procure quand on bosse pas. Il faut travailler. Les vidéos sur YouTube, les intégrer une école, etc. Vraiment, il y a que deux choix de te former. Bon, écoutez les amis, on va se laisser pour aujourd'hui sur le live. Je vous laisse pour la semaine et puis on se retrouve du coup dès vendredi prochain. Sur ce, du coup, passez une très très bonne semaine, passez un bon week-end, reposez-vous bien. Et puis, on se dit à vendredi prochain, peut-être à 18h. Alors, juste pour vous dire, exceptionnellement, je n'étais pas censé le dire, mais je vais quand même le spoil. Non, mec, spoil pas. Non, ton spoil. Pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin du live. Spoil pas, arrête. Je dis juste deux petites informations. On avait dit que c'était une surprise. Ok, exceptionnellement, je ne donnerai pas la date. Ouais, donne pas la date. Cette semaine, on fera du trading live sur YouTube. Cette semaine. Pour tout le monde, pas que pour les étudiants. Voilà, pour tout le monde. Mais je ne dirai pas de date. Voilà. À vous de suivre la page. Je vais vous partager la page. Juste on va le balancer la veille. Voilà. On vous partagera ça la veille. De toute façon, vous le verrez de toute façon quand on sera en live. Ça sera le matin ou l'après-midi. Bref, je ne vais pas vous dire. Je ne vais rien vous dire, d'accord. Mais cette semaine, potentiellement en milieu. Potentiellement en milieu. Jours surtout. Eh bien, effectivement, on vous fera un live trading. LC n'a pas Facebook. Tous ensemble. Eh bien, écoute, LC, abonne-toi à la chaîne YouTube et tu recevras dans tous les cas une notification. Voilà, pour vous dire, ne vous attendez à rien. Parce que si on. Vous attendez à rien. Juste venez, traitez avec nous, soyez de bonne humeur et on va tous s'amuser en tradant. Tout simplement. Très très bonne semaine à vous, très bon week-end, reposez-vous bien et on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Salut.